Bonsoir à toutes et à tous. L'ASCO vous propose ce soir sa seconde d'une série de conférences gratuites et diffusées en direct sur YouTube. La conférence de ce samedi 7 janvier 2021 portera sur la parapsychologie et vous sera présentée par Jean-Michel Abrassard. Bonsoir Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Et je pourrais compter sur Flavien pour animer avec moi cette émission de ce soir. Bonsoir Flavien. Bonsoir. Tout d'abord un petit mot sur qui nous sommes. LASCO, c'est l'acronyme pour Association du Scepticisme Scientifique de l'Ouest. Notre association a pour objectif de faire connaître et de développer l'hygiène mentale, l'esprit critique, le scepticisme et la méthode scientifique. Je vais présenter Jean-Michel, notre conférencier du jour, et en fait je, on aurait pu faire une émission complète sur la présentation de Jean-Michel Jean euh, à Brassard, tant Jean-Michel a une action presque tentaculaire en fait dans le monde sceptique. Tu as une thèse de doctorat en sciences psychologiques qui était intitulée « Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines là, Jean ». Et cela Jean-Michel oui, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Alors, Jean-Michel est connu pour être le créateur du post podcast Scepticisme scientifique, que beaucoup de sceptiques connaissent et que je recommande euh, chaudement. C'est une émission consacrée à la zététique et qui compte 486 podcasts. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est le moment de rattraper le temps perdu. Et si vous en faites un par jour, d'ici un peu plus d'un an, je pense que vous aurez à peu près fait le tour. Jean-Michel a écrit des livres aussi. C'est un essayiste et un écrivain. Alors, un de tes livres les plus connus, euh, le titre c'est Pour en finir avec le paranormal. Et tu es aussi euh, derrière une série un peu plus connue des plus petits et des enseignants, c'est Zach et Zoé. Alors, vous trouverez les descriptions, en... les liens euh, dans la description de la vidéo, le petit plus, euh, où vous pourrez, vous pourrez retrouver tout ça, bien sûr. Tu es le fondateur de Skeptic in the Pub euh, Bruxelles. Tu es membre du comité Para. Euh, on avait reçu Jérémy Royot, qui est président du comité para à la première conférence. Alors ti le titre de la conférence du jour, de ce soir, euh, parapsychologie et zététique, deux points, des ennemis irré irréconciliables, point d'interrogation. Alors, petit mot sur pourquoi on a voulu faire cette conférence sur la parapsychologie. Souvent, les sceptiques ont des idées préconçues, des a priori sur la parapsychologie, sans savoir vraiment ce que c'est, et nous, on a trouvé que c'était dommage. Je vous fais une petite citation de moi que j'ai préparée avant l'émission. Si on ne sait pas d'où viennent les savoirs, ils ne se différencient pas des croyances. Donc ce soir, Jean-Michel est là avec nous. Déjà pour répondre à vos questions, vous aurez l'occasion dans la troisième partie de l'émission de poser des questions, enfin tout le long de l'émission vous pouvez poser des questions, on les, euh, on les diffusera à l'antenne et Jean-Michel y répondra donc en troisième partie. Lors de la première partie, il va nous présenter ce qu'est la parapsychologie, vous aurez un support visuel pour ça. Et la seconde partie, celle qui est entre les deux, avant vos questions, euh, Flavien et moi, on va poser quelques questions. Jean-Michel, parce qu'évidemment, on est très intéressé par le sujet mmh. et on a bien sûr plein de questions à lui poser. Voilà. Donc, Jean-Michel, je te donne la parole et je te souhaite une bonne introduction, une bonne conférence. À tout à l'heure. Eh bien, avant tout, merci à l'ASCO de m'avoir invité pour parler de la parapsychologie. Donc, comme vous le voyez, évidemment, je suis docteur en psychologie. Je n'ai pas de doctorat en parapsychologie. Et oui, il y a des gens qui ont des doctorats en parapsychologie, mais euh, ça ne se fait pas en, ni en France ni en Belgique. Donc, je n'ai pas de doctorat en parapsychologie. Alors, pour commencer, donc oui, effectivement, je vais essayer de vous présenter de, une sorte d'introduction c'est quoi la parapsychologie, et puis euh, l'interface avec la, la zététique hein, ou les, les relations. Euh, avec la zététique. Et donc, euh, au départ, euh, je vous propose euh, cette définition. Hein, Qu'est-ce que la parapsychologie euh... Donc, euh, La parapsychologie est l'étude scientifique des expériences qui, si elles sont ce qu'elles semblent être, sont par principe au-delà du domaine des capacités humaines telles qu'elles sont envisagées actuellement par les scientifiques conventionnels. Donc, ça, c'est la définition qui est proposée euh, par euh, Irwin et Watt, euh, qui sont... Euh... Euh, Irwin est déc... euh, non, non, il n'est pas décédé. Mais... Euh, Watt est la... est la responsable du laboratoire de, de parapsychologie du... de l'université d'Edimbourg, en Écosse, euh, au Royaume-Uni. Donc. Et donc, ils ont un manuel qui s'appelle Introduction to Parapsychology Introduction à la parapsychologie. Et donc, à mes yeux, c'est un... un des meilleurs manuels. Donc, j'ai été reprendre leur définition. Évidemment, si vous regardez leur définition, ça veut dire que. Les, les apparences peuvent être trompeuses, évidemment, c'est-à-dire que quelqu'un peut. Bon, donc, vous voyez, les, les, ce sont des expériences qui, si elles sont ce qu'elles semblent être, donc en apparence, ces expériences euh, dépassent euh, ce que euh, les scientifiques conventionne, euh, conventionnels, mainstream, hein, euh, considèrent comme euh, possible. Mais évidemment, il se pourrait qu'en réalité, ce soit pas le cas ou qu'on puisse les expliquer de manière euh, prosaïque que ce soit juste une apparence de paranormalité, mais en fait, donc, cette définition inclut à la fois euh, une le fait que la parapsychologie étudie à la fois euh, les phénomènes paranormaux dans une optique où on essaie d'expliquer euh, de manière réductionniste, hein, donc on réduit les phénomènes à une explication conventionnelle, et à la fois en ne réduisant pas les phénomènes, donc en conservant euh, euh, la possibilité qu'il existe des phénomènes euh, réellement paranormaux. Hein. Donc qu'est-ce que ça étudie, la parapsychologie bah, En fait, le, souvent, il y a une confusion chez les gens parce que dans le grand public, on utilise le terme incorrectement. Euh, et on a des salons d'ésotérisme, occultisme et parapsychologie. Où on voit ce genre de choses. Dans la communauté New, New Age aussi, ils utilisent le terme parapsychologie un peu à toutes les sauces. Et du coup, chez les sceptiques ou les esthéticiens, bah, il y a aussi cette confusion qui est là parce que, après tout, elle est, elle est dans le grand public. Donc forcément, on va la retrouver chez certains sceptiques. Euh, donc, on, on est là ce soir pour... Euh, pour euh, le, la faire disparaître, évidemment. Mais le champ de la parapsychologie, finalement, est beaucoup plus limité que, que ce que les salons de la parapsychologie et de l'occultisme nous font croire. Euh, le champ de la parapsychologie, c'est le psy. Hein. Alors, c'est psy avec un I et pas euh, psy avec un Y. Hein. Psy avec un Y, ce serait euh, la psychologie, évidemment. Mais c'est psy avec un I. Et donc, euh, ça se prononce psy en anglais. Hein. Euh, et donc, euh, ça, le psy, c'est un concept athéorique donc, euh, qui regroupe les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse donc euh, les perceptions extrasensorielles ça serait tout ce qui est télépathie, euh, prémonition etc et la psychokinèse ça, la, la, ça serait la capacité à, euh, à faire bouger enfin, la, la, de, du, de, la, de la conscience à influencer la matière hein, donc, euh, bon, évidemment le, le, le cliché c'est Geller qui tord des cuillères ah. euh, mais donc on, est, oui, on, appelle ça, on regroupe ça sous le terme de psy et on, on dit que c'est athéorique. Donc il y a un certain nombre de théories euh, du psy qui existent évidemment par la psychologie, mais quand on utilise le psy, ça ne présuppose rien. Par rapport à un autre terme comme par exemple synchronicité de Jung, qui, qui, qui inclut déjà une explication, qui est qu'on serait devant un phénomène à causal, hein, qui n'aurait pas de relation de causalité, ce serait un, un hasard significatif, etc. Donc là, il y a déjà une théorisation derrière, mais le concept de psy est donc athéorique. L'autre pôle qu'étudie qu la parapsychologie, c'est l'hypothèse survivaliste. Donc, euh, bon, les sceptiques, en général, défendent l'hypothèse mortaliste, c'est-à-dire que quand, quand on meurt, euh, bah, la conscience meurt avec, euh, avec la mort du cerveau, hein, du cerveau physique. Euh, tandis que l'hypothèse survivaliste, ce serait que la conscience pourrait survivre à la mort du corps. Et donc, il y a différents axes autour de, de cette, cette recherche-là. J'ai mis principalement, évidemment, l'étude des médiums. Hein. Euh, un... C'est comme ça qu'est née la parapsychologie. Euh, enfin, au départ, ça s'appelait la métapsychique au XIXe siècle, avec l'étude des, des médiums, du mouvement spiritualiste. Hein. Est-ce qu'ils consa... Est qu euh, contactent vraiment euh, l'âme de personnes décédées euh, quand ils font des séances ou pas euh, La réincarnation, euh, il y a eu un certain nombre d'études sur la réincarnation. Euh, donc, euh, des... on trouve des enfants qui disent être réincarnés euh, et qui ont parfois... Euh, Bon, il y a des, des traces physiques par exemple dans un de mes livres je parle de ça il y a une étude où euh, la personne se serait euh, serait morte aurait été morte étranglée par une corde après un, si je me souviens sur le bon de mémoire soit et euh, l'enfant en question aurait des traces euh, physiques enfin donc aurait une tache de sang euh, sur le cou hein, qui serait donc il y, a, il y a différentes choses qui ont été étudiées du côté de la réincarnation pour essayer de voir si la réincarnation est un phénomène qui existe objectivement euh, et alors évidemment, euh, un des gros, gros sujets maintenant, c'est les expériences de mort imminente. Et donc, euh, on peut dire que le, la parapsychologie se trouve euh, autour de ces deux pôles. Alors évidemment, ça veut dire que la parapsychologie n'étudie pas des tas de choses. La, 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 la parapsychologie n'étudie pas l'astrologie, ni les ovnis, ni les cryptides, ni le satanisme, ni les vampires, ni l'alchimie, ni la sorcellerie. Euh, cette cette liste-là, je l'ai même pris de la, de la, de la, de la, du site web de la parapsychologie. Parapsychological Association, donc l'association des parapsychologues, qui est la plus grande association au monde, qui est une association américaine, euh, dont je suis moi-même membre. Euh, ils, ils, sur leur site, ils mettaient cette liste. Euh, donc j'ai juste repris leur liste de choses que la parapsychologie n'étudie pas. Euh, j'ai rajouté ésotérisme et occultisme, parce qu'en préparant le, la conférence, je me rendais compte qu'il y avait des, des confusions avec ça. L'ésotérisme et l'occultisme ont finalement. Absolument rien à voir avec la parapsychologie, selon moi. Euh... Alors, les champs connexes à la parapsychologie euh, dans, dans un milieu académique, on va commencer par le plus évident c'est la psychologie anomalistique. Donc, euh, anomalous, ça veut dire euh, les étrangetés hein, en anglais. Hein. Donc, la psychologie anomalistique, c'est la psychologie des, des expériences extraordinaires hein, qui sortent du commun. Hein. Euh, et donc, il y a un laboratoire de psychologie anomalistique qui est euh, euh, dirigé par Chris French en Angleterre, euh, qui fait ce genre d'études. Et donc, ils étudient, euh, ils étudient la, des choses très proches de la parapsychologie, mais évidemment, la psychologie anomalistique euh, va s'intéresser à toutes les expériences exceptionnelles. Et donc, ça va, ça va inclure les enlèvements par les extraterrestres, les observations d'ovnis. Euh, euh, les, les expériences mystiques, etc. Et donc, finalement, le, première chose, la psychologie animalistique a un champ plus vaste, un champ plus vaste que la parapsychologie, mais a une approche plus restreinte, parce que, évidemment, la parapsychologie va utiliser euh, extrêmement pluridisciplinaire. Et donc, euh, euh, chez les parapsychologues, on trouve des physiciens, on trouve. Euh, des statisticiens, des, euh, même des philosophes, euh, des psychanalystes, euh, on trouve un peu de tout qui fréquente les les, les, les les événements de la, et de la, qui sont membres de la Parapsychological Association. Et donc, euh, par exemple, si, pour vous donner un exemple, quand j'étais allé à un congrès de la Parapsychological Association, il y avait des conférences de philosophes sur le fait que Kant euh, euh, a défendu un peu la médiumnité dans certains de ses textes. Donc, même les, les, on retrouve même des philosophes, etc. Mais donc, donc la parapsychologie ne se limite pas à la psychologie, tandis que la psychologie anomalistique se limite vraiment aux méthodologies de la psychologie. Donc, euh, différence, deuxième différence. Donc, première différence, le champ est plus vaste. Deuxième différence, ça utilise les méthodologies euh, expérimentales euh, de la psychologie exclusivement. Et troisième, euh, troisième euh, différence, c'est que, bon, ça, c'est quelque chose qui est débattu dans la littérature, mais euh, la psychologie anom anomalistique tend à être réductionniste. C'est-à-dire que, par réductionniste, j'entends qu'on euh, essaye d'expliquer les phénomènes paranormaux avec des processus connus euh, en psychologie. Hein. Et donc, en psychologie animalistique, on ne fera pas appel à des processus ou euh, enfin, psy euh, pour expliquer le paranormal. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui, euh, qui énerve un peu les, les parapsychologues, mais on pourra peut-être en, en revenir là-dessus euh, plus tard. Euh, alors, la, la, autre, un autre domaine connexe, c'est la folkloristique. Alors, La folkloristique, c'est l'étude des folklores. Évidemment, on peut s'imaginer étudier euh, les, les légendes urbaines. Euh, euh, Ouais, euh, donc euh, oui, euh, les légendes urbaines et ce genre de choses, euh, tout, ce, la, la représentation du paranormal euh, dans la culture aussi, euh, dans les films d'horreur, euh, la, la manière dont les gens se représentent ça. Donc, avec la folkloristique, la méthodologie va être plus euh, l'enquête de, enfin l'étude de cas, euh, l'enquête de terrain. Euh, donc pas pas du tout des, des méthodes, enfin euh, c'est pas les mêmes méthodes de logique que la psychologie. On est plus du côté euh, vraiment. Euh, euh, d'approche sociologique de ces phénomènes. Mais évidemment, ça complète vraiment bien euh, le, ce genre d'approche. Alors, ce que je, dans, dans, euh, dans le débat, si vous voulez, sur la nature du paranormal, sur les explications du paranormal, la communauté sceptique et la communauté zététique, pour moi, elle est franchement toujours du côté de la psychologie anomalistique et de la folkloristique. Euh, les sceptiques, évidemment, ils sont très fans de ce que fait, même moi de toute façon, mais de Chris French, etc., d'essayer de, de, d'expliquer de manière réductionniste les phénomènes paranormaux. Et donc, euh, c'est vrai que, si vous voulez, souvent les, les sceptiques, les esthéticiens euh, disent, on fait juste de la vulgarisation, on ne prend pas parti, mais en fait, si vous voulez, il y a une, une sorte de... de... <laughs> Bon, J'avais dit une sorte de trinité comme ça de disciplines, hein, parapsychologie, psychologie anomalistique, pas folkloristique. En fait, les sceptiques tendent à prendre parti pour la psychologie anomalistique et la folkloristique à l'encontre de la parapsychologie. Euh, or, euh, beaucoup de sceptiques qui étudient le paranormal, y compris moi d'ailleurs, euh, euh, souvent, euh, ce qu'on fait, c'est des choses qui, pour moi, relèvent surtout. On n'a pas, par exemple, moi j'ai pas de laboratoire, des choses comme ça. Où je peux faire des expériences comme Chris French en psychologie anomalistique Donc, moi, quand, quand j'essaye de, de faire une publication scientifique, bah, je pense que mon travail, c'est ce relève principalement de la folkloristique. Hein. Analyser certains cas d'ovnis. Euh, voilà, étudier certains. Vous imaginez euh, certains sceptiques qui font, euh, qui essaient d'expliquer certaines maisons hantées. Euh, ou des observations du monstre du Loch Ness, on est, on est plus souvent dans de la folkloristique. Euh, alors, j'ai déjà abordé le fait que la parapsychologie, c'est un domaine extrêmement pluridisciplinaire. Hein. Encore une fois, j'ai vu des interventions de psychanalystes, de physiciens, etc. Euh, il y a pratiquement, évidemment, pour les expériences de Maury Minod, de médecins, neurologues, etc. Euh, mais je voulais quand même mentionner quelque chose qui fait un peu le buzz pour le moment dans la communauté des parapsychologues, c'est la paranthropologie. Donc, il y a un jeune, un jeune relativement jeune chercheur anthropologue britannique qui a essayé de, enfin, qui a créé une revue de paranthropologie. Et donc l'anthropologie voilà, aussi euh, tend donc évidemment on peut étudier l'anthropologie euh, comme les autres sciences humaines et sociales hein, comme la sociologie, l'anthropologie, l'histoire elles ont toutes leur place pour étudier le paranormal Mais évidemment si vous êtes un étudiant d'anthropologie on va souvent vous demander d'adopter une approche réductionniste. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, on va vous dire, on va vous, vous aurez l'injonction de ne pas vous mettre à croire ce, ce que croit euh, votre euh, votre, terrain. Donc, si votre terrain croit en quelque chose, par exemple, si vous, votre terrain, comme Jeanne Favre-Saada, c'est euh, les, les, les coupeurs de feu, les barreurs de feu, vous allez avoir l'injonction de ne pas vous mettre à croire que les, que les barreurs de feu pourraient être réellement efficaces. Euh, mais alors la paranthropologie, c'est justement, enfin, donc, il y a une publication de ce côté-là qui a été mise sur point, un certain nombre d'anthropologues qui veulent faire une, une anthropologie irréductionniste, c'est-à-dire qu'ils euh, considèrent qu'il ne faut pas, euh, il faut pas ré, enfin, considérer a priori que les, par, les croyances paranormales que rapportent les autres cultures ou même au sein de notre culture, parce que les anthropologues étudient les deux maintenant, euh, sont forcément irrationnels, et je veux dire, euh, enfin, même ça certainement pas, mais euh, sont forcément fausses, oui. Alors oui, tout ça, bon, ça, ça c'est la couverture de ma thèse de doctorat sur le phénomène OVNI, mais je l'ai mis juste pour vous, vous dire, ben voilà, avec tout ce que je viens de vous dire, maintenant vous vous rendez bien compte que ma thèse de doctorat, ce n'est pas de la parapsychologie, euh, enfin, si, vous, si, si, vous, si vous lisez le texte euh, qui, est, qui est trouvable, euh, pour moi ça, ça relève plutôt de la psychologie anomalistique hein, ou de la folkloristique, un peu des deux, hein, en, en fonction de ce que je suis en train de faire dans, dans la thèse. Alors évidemment, une grande question que beaucoup de sceptiques qui regardent cette euh, conférence doivent se poser. Bah oui, mais tu nous dis tout ça, mais bon, on, on sait bien que la parapsychologie, c'est de la pseudo-science. Hein. Donc euh, science ou pseudo-science, pour paraphraser. Hein titre d'un journal bien connu. Euh, bon, D'abord, remarque préliminaire, euh, je, on, on a fait un épisode sur le, du podcast sur le palado, mais, donc on va, je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais le, le problème de la démarcation en philosophie, qui, donc la quête pour mettre, trouver des critères euh, qui permettraient de discriminer les sciences et les pseudosciences euh, est extrêmement complexe et en fait a largement été un échec. Euh, on, on, les, les philosophes n'ont pas euh, trouvé de critères euh, très... Euh, très clair qui, qui distinguerait la science de la pseudoscience. Euh, donc euh, pour moi, le terme de pseudoscience est assez problématique et euh, je fais euh, tout mon possible pour ne pas l'utiliser. Euh... Bon, évidemment, il y a des solutions qui sont proposées. Une des plus classiques, c'est de reprendre l'approche de Wittgenstein pour les jeux, donc un peu de philosophie là. Mais donc, Chez Wittgenstein, qui est un philosophe très connu, dit que les jeux, bah, les jeux, en fait, on ne peut pas émettre un seul critère pour les jeux. Par exemple, on dirait un jeu, ça se joue à plusieurs. Bah, non, il y a des jeux qui se font en solo. Un jeu demande du matériel. Bah, non, il y a des jeux qui ne demandent pas de matériel, etc. Donc en fait, il n'y a aucun, aucun, euh, aucun jeu qui. Euh, il n'y enfin, a aucune liste de critères stricts qui permettent de déterminer c'est quoi un jeu, parce qu'on peut toujours trouver un exemple de jeu qui ne correspond pas à ces critères, mais on peut on, on trouve ce qu'ils appellent des ressemblances de famille. Donc, il euh, y a quand même une sorte de, 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 de nébuleuse de c'est quoi des jeux une fois qu'on qu qu les met tous ensemble. Et donc, on pourrait faire ça avec les pseudosciences. Donc, il euh, n'y aurait pas de liste précise de critères, mais on pourrait on pourrait quand même les reconnaître malgré tout. Bon, tout ça, c'est ma remarque préliminaire pour dire que je n'aime pas le mot pseudo-science. Et, et aussi au fait que je vais, euh, je vais invoquer euh, les critères maintenant, alors que je viens de dire que les critères, ça ne tient pas bien à la haute. Euh, Mais il y a des critères internes versus externes. Donc, Les critères internes, ça serait des propriétés euh, euh, qu'aurait une pseudo-science. Euh, bah, par exemple, une vraie science ça aurait des observations empiriques. On va, on va mettre ça comme critère. Ça se discute et je viens de dire juste avant que tous les critères se discutent. Mais euh, si on met ça, bah, une pseudo-science, ça serait une, une science qui, une fausse science qui, euh, une, qui n'a pas d'observation empirique, quoi. D'accord bah, Pour pour moi de toute façon quelque chose qui n'a pas d'observation empirique, c'est juste pas de la science. Hein. C'est pas une pseudo-science, c'est juste pas de la science. Mais euh, mais donc ça, ça serait des de critères internes. Mais alors il y a des critères externes. Bah, c'est ce que c'est des, ce des signes extérieurs de richesse. Hein. Si, si vous avez une voiture qui coûte très cher, euh, rutilante, bah et que vous avez une très belle villa, vous êtes probablement très riche. Euh, et bah pour la, la, la parapsychologie, on peut fonctionner de la même façon. Avec la, alors, ça serait quoi des signes extérieurs de, de scientificité bah, Ça serait l'existence de laboratoires. Euh, donc, euh, il existe, j'ai dit, le laboratoire euh, de, de parapsychologie à Édimbourg. Hein, qui, qui D'ailleurs, il y a des doctorants qui sortent de ce laboratoire. Il y en a quelques-uns encore dans le reste du monde. Mais il y en a pas tellement, mais il y a quelques laboratoires. Et donc, pour moi, Édimbourg est le plus important mais parce que effectivement, il délivre des doctorats en parapsychologie. Alors, il y a un autre signe extérieur, ce serait l'existence de revues scientifiques à comité de lecture. Là aussi, il y a des revues. Euh, donc, il y a la revue de la Parapsychological Association et puis euh, la revue de la Society for Psychical Research. Donc, il y a il ah, y, y en a d'autres encore, je ne vais pas tous les citer, mais il y a plusieurs revues. Il euh, euh, y en a au moins une qui, a, euh, qui est d'ailleurs un, un, un impact factor. Donc, il euh, donc y a des revues de scientifiques euh, reconnus de parapsychologie. Euh, voilà. Après, il y a des chaires d'enseignement. Bah oui, j'ai dit à la commune. Donc, il y a des profs du NIF qui enseignent la parapsychologie. Oui, il y en a, a un certain nombre. Euh, Est-ce qu'il y a des manuels bah, J'en ai situé un au début de cette conférence. Il y, y a des textbooks, des manuels de parapsychologie. Donc… En tout cas, la, la, la parapsychologie montre tous des signes extérieurs de scientificité. Euh, alors, évidemment, on pourrait rétorquer à ça euh, bah, oui, bah, la psychanalyse a les mêmes, remplirait les mêmes critères en France. Voilà, donc, ça, à réfléchir. Hein. <laughs> alors, maintenant, parlons de quelques expériences qui font le buzz dans la communauté parapsychologique euh, depuis euh, quelques dizaines d'années. Enfin, donc, il euh, y en a qui sont plus anciennes et puis certaines qui sont beaucoup plus récentes. Euh, oui, je n'ai pas mis dans la liste de, sur la psychokinèse, euh, concernant la psychokinèse, bah, disons simplement que je dirais que le consensus, c'est qu'il y, y a, enfin donc, difficile à déterminer le consensus au, au sein des parapsychologues, mais il y a des expériences de psychokinèse, on dit de macropsychokinèse, donc ça, ça serait Uri Geller qui tord une cuillère, et pris de micro-psychokinèse donc euh, influencer euh, par exemple un générateur de nombres aléatoires. Mais je pense, en tout cas, mon impression, c'est que les parapsychologues tendent à considérer que la micropsychokinèse bon, est probablement prouvée. Par contre, la macropsychokinèse des effets massifs euh, importants, enfin, je dis, voilà. Euh, là, c'est beaucoup plus controversé, même au sein des parapsychologues. Hein. Euh, mais évidemment, il y, a, il y a des parapsychologues qui considèrent que même Uri Geller est autant, probablement un authentique. Donc, on trouve un peu un spectre. Euh, voilà, ça c'est ce que je dirais pour la psychokinèse maintenant. Au niveau des choses que... Après, je dirais ce que moi je trouve le plus convaincant, le moins convaincant, etc. Euh, le protocole Gansfeld, donc ça c'est un protocole qui passe partait de l'hypothèse que en, 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 dans un état modifié de conscience, le psy fonctionnerait mieux. Et donc on, on met des, des sortes de balles de ping-pong sur les yeux de quelqu'un et des, du bruit blanc dans ses oreilles. Et puis il y a quelqu'un dans une autre salle qui doit lui transmettre par télépathie des images. Et euh, ce qui est super intéressant pour le protocole de Gansfeld, c'est que ce protocole a fait l'objet d'un débat assez intense dans les années 90 euh, avec un sceptique qui s'appelle Rayman, qui est probablement le plus grand sceptique de la parapsychologie. Il est encore vivant à ma connaissance, mais il doit avoir 90 ans maintenant. Euh, il a encore publié un papier à 4-5 ans. Et, euh, et Rayman est intervenu dans le débat et il a fait des remarques euh, pour améliorer le protocole. Et ce protocole a été, a, a, a été amélioré. Entre autres, il a été automatisé. Donc, on appelle ça l'auto-Gansfeld. Et depuis, il a encore été amélioré maintenant, mais euh, pour utiliser les outils informatiques, etc. Et donc, ce qui est fascinant avec ce cas, c'est qu'il y a eu un certain nombre de méta-analyses. Et donc, avant que Rayman intervienne, évidemment, ils obtenaient des résultats positifs, statistiquement significatifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, Rayman a donné des conseils en tant que meilleur sceptique sur le sujet pour comment dire, améliorer leur protocole pour qu'il soit plus robuste. Et même après, quand ils sont passés à l'autogansfeld, le, le, le Gansfeld a continué à avoir des résultats positifs, un peu moins élevés qu'avant, mais quand même, il a continué à avoir des résultats statistiquement significatifs. Euh, oui, donc, euh, sur le sujet, il y a eu un certain nombre de méta-analyses. Euh, je ne les ai pas comptées, mais une demi-douzaine à ma connaissance et dans cette demi-douzaine de méta-analyses des résultats Gansfeld il n'y en a qu'une qui, qui, qui a conclu négativement et c'était une, une méta-analyse faite par un sceptique qui s'appelle Richard Wiseman toutes les autres ont trouvé des résultats positifs et même pour, les, même pour la méta-analyse de Richard Wiseman il y a un parapsychologue qui a refait certains des calculs et qui est, après correction a montré que en fait, ces résultats donnaient un résultat positif euh, oui, parce que Richard Wiseman est vraiment détesté par la paire et, et, et il pense que il a un, que voilà qu'il faut repasser derrière lui pour tout ce qu'il fait quoi, en grand. Euh, alors les études sur les prémonitions de Daril Bem, cela en fait beaucoup de bruit euh, ces dix dernières années. C'était des expériences de psychologie qui avaient été inversées. <laughs> Donc on est par exemple devant un ordinateur et il euh, euh, y a des, une image qui, vont, qui va s'afficher. Euh, mais on doit choisir l'image qui va s'afficher avant euh, qu'elle ne s'affiche et donc c'est par prémonition. Hein. Euh, et il avait reçu euh, des résultats positifs. Alors là, euh, il y a eu des tentatives de réplication, euh, là encore, par Chris French et d'autres sceptiques qui ont été négatives, ces tentatives. Mais euh, Daryl Bem a publié par la suite une, euh, une méta-analyse regroupant des ré les réplications incluant celle de Chris French et d'autres. Et euh, d'autres laboratoires dans le monde. Il a de nouveau obtenu des résultats positifs. Hein. Euh, de quoi de, 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 Des études. Oui, je ne sais plus de mémoire, de la... mais c'est possible. Mmh. Euh, L'étude de Pim van Lommel sur les EMI, bah donc Pim van Lommel, c'est un, un médecin euh, hollandais, je pense, euh, qui s'est penché sur les questions des EMI et qui, euh, qui, a, qui, a fait, euh, voilà, qui a dans son hôpital, mené une recherche pour recevoir des témoignages d'expériences de, 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 de mort imminente. Euh, et euh, dans son article il conclut que l'hypothèse sur la valiste est la bonne hein. bon si... si je devrais donner mon avis sur la question je dirais que je pense que sa conclusion n'est pas... Euh... Il y a une sorte de, de conclusion qui ne suit pas de ces résultats, mais euh, je ne pense pas que, que ces résultats permettent de conclure ça. Mais en tout cas, lui, c'est intéressant. Enfin, Ce que je veux pointer ici, c'est que les chercheurs les plus célèbres sur les expériences de mort imminente sont massivement des survivalistes. Par contre, quand vous lisez des sceptiques qui vulgarisent la littérature sur les EMI, ils sont massivement mortalistes, ce qui est assez bizarre. Parce que s'ils faisaient juste de la vulgarisation, bah, ils, re ils reporteraient la vie des chercheurs sur le sujet, non? Alors l'étude Aware AWAR de Sam Parniaeco, euh, c'est une étude là encore sur les EMI. Et euh, cette étude là, c'est euh, encore une fois, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont fait des statistiques, ils ont recueilli les témoignages d'EMI euh, dans les hôpitaux, mais euh, ce qui était sympa, c'est qu'ils ont, ils ont mis une cible qui était cachée euh, quand on était au niveau du sol, mais si on, faisait, on sortait du corps, si on avait une sortie hors du corps, on était supposé pouvoir voir, euh, pouvoir voir la cible en question. Et euh, il y avait des chiffres qui étaient indiqués, indiqués dessus. Enfin, il y avait quelque chose qu'un témoin donc, qui, qui l'aurait vu en sortir du corps aurait pu rapporter, euh, rapporter à, à l'expérimentateur. Malheureusement, euh, il n'y a, eu, euh, enfin, a pas eu de gens qui ont pu rapporter euh, enfin, qui ont, qui ont, qui ont rapporté de sortir du corps dans, dans les. Dans les salles où il y avait eu des cibles, alors là, le problème c'est que souvent on s'imagine que dans les sorties du corps il y a toutes les phases hein. dans les EMI, je veux dire, dans les expériences de mort imminente, il y aurait euh, je sors de mon corps, puis je vois le tunnel, puis je rencontre, euh, je rencontre des personnes décédées, etc. Mais en fait, euh, c'est pas ce qu'on observe en réalité. La plupart des gens ne, ne rapportent qu'une seule des phases, euh, c'est rare quand les gens en rapportent. Plusieurs phases. Donc, enfin, il, y a, il y a tout un problème lié à la définition des EMI Raymond Moody, qui était un des premiers chercheurs à s'être intéressé, il avait fait, ce, il avait dit, pour, pour, pour être une vraie EMI, il faut un certain nombre de phases. Mais en réalité, c'est très rare ça. Et donc, euh, ce genre de problème s'est posé dans l'étude Aware. Bah, ils ont mis des cibles, mais déjà, il y a un certain. Donc, c'était chez des gens qui faisaient un, un arrêt cardiaque. Et donc, dans les gens qui font un arrêt cardiaque, il y a seulement un certain pourcentage de gens qui vont être dans les conditions pour euh, être euh, entre guillemets en mort clinique. Et puis, euh, de, parmi ces gens, il n'y en aura qu'un certain nombre qui auront une EMI. Et puis, dans ces EMI, il n'y en aura qu'un certain nombre qui auront une sortie hors du corps. Et il faut que ça se produise exactement là où, euh, où euh, la cible a été mise. Et puis, évidemment, euh, les gens qui critiquaient cette étude, ils disaient, euh, oui, bah oui, la personne peut sortir du corps par regarder dans la bonne direction et par remarquer le truc. Quoi. Euh... Par contre, ce qui est assez intéressant est que, à observer aussi, c'est que il y a une personne dans cette étude qui a euh, qui a eu une sortie hors du corps mais elle n'était pas dans une salle avec la cible mais cette personne qui a eu la sortie hors du corps euh, elle n'a pas elle a pas euh, comment dire euh, elle dans, dans, dans la conclusion de Samparnia, Parnia etc qui, qui pointe quand même vers le survivaliste et euh, dans la presse évidemment c est, c est, ils considéraient ça comme une preuve des sorties non, de, 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 du, du caractère paranormal des EMI. mais pour moi en fait cette expérience Bon, J'ai donné les bémols. Hein. Euh, le problème, c'est qu'il faut... Euh, voilà, il faut... Il faut être dans les conditions où quelqu'un pourrait voir cette cible. Mais en tout cas, elle va plutôt dans l'hypothèse que, ça... ben, que les sorties hors du corps ne sont, pas... sont pas réelles. Alors, les études sur la médiumnité de Julie Bychel, ça c'est des études sur les médiums. Ça se fait par téléphone. Et elle, 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 elle a donc une personne décédée hein, qui est associée euh, donc avec euh, une personne, un proche. Hein, et euh, elle prend note euh, de la personne décédée. Et puis, c'est un expérimentateur qui téléphone au médium. Et l'expérimentateur, tout ce qu'il donne au médium, c'est euh, le prénom de la personne. Et, euh, et alors, le médium doit faire une lecture. Et puis, en fait... Euh, il y a tout un système de, enfin voilà, de, voilà, il y a un certain nombre de lectures euh, qui sont réalisées pour différentes personnes décédées, et on les donne, euh, on les donne aux, aux proches. Et alors chaque, par exemple à chaque proche, on donne, euh, on donne six lectures différentes que le médium a fait pour six personnes décédées différentes, et on leur demande de retrouver euh, laquelle est la, laquelle est leur proche dans, dans la série. Et évidemment, statistiquement, bah, ils ne devraient pas arriver à retrouver la leur si le médium n'est pas réellement capable d'avoir de, des informations paranormales. Euh, et évidemment, tout ce protocole par coup de téléphone, etc., euh, est là pour empêcher la lecture à froid. Euh, donc, c'est à la pêche aux informations. Euh, vous savez que la lecture à froid, ça, se fait, ça peut se faire en lisant les réactions corporelles, mais là, on est au Là, on est au téléphone, donc euh, le médium n'a pas accès aux réactions corporelles. Et puis après, ça peut, ça peut être réalisé par, euh, en posant des questions à l'interlocuteur. Mais ici, évidemment, l'expérimentateur, un, de toute façon, c'est en double aveugle, donc n'a aucune information sur la personne décédée. Et deux, il, la seule chose qu'il dit au médium, c'est le prénom de la personne. Euh, et donc, elle a obtenu des résultats positifs pour, euh, la, pour les médiums sur cette étude-là. Alors, il y a eu une critique qui a été publiée par Nicolas Gori euh, de cette étude, où il pense, enfin, donc son argument... Euh, c'est que juste avec le prénom, ça pourrait avoir influencé significativement les résultats. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je pense qui tient la route là-dedans En fait, <laughs> enfin, donc, euh, moi, mon opinion, c'est vraiment mon opinion à moi euh, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Euh, elle n'est pas représentative des, des parapsychologues dans leur ensemble, évidemment, certainement pas. C'est juste moi, mon opinion, parce qu'on m'a demandé que je la donne. Je suis assez peu convaincu par les études sur les EMI. En tout cas, pour moi, les études sur les, les expériences de mort imminente ne prouvent pas l'hypothèse surréaliste. Par contre, je pense qu'on ne sait pas les expliquer les, sur les expériences de mort imminente. Souvent, on entend les sceptiques et les éthiciens dire « si, si, on sait expliquer les expériences de mort imminente, ça, je ne pense pas que ce soit vrai euh, ». Je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur quels processus sont à l'œuvre, etc. Mais par contre, je pense que les travaux qui ont été réalisés jusqu'à présent... Euh, ne prouve pas l'hypothèse survivaliste, euh, ni l'étude de Pim Van Nommel, ni, ni l'étude Auer de Saint-Parnia. Euh, alors, bon, les, les études sur la prémomission d'Aril Bem, euh, oui, elles ont été. Euh, les résultats de départ ont été fort critiqués. J'ai même un épisode du, du balado avec Nicolas Gauvry qui, qui en parle. Euh, qui date, euh, vous allez dans les archives, hein, où on critique, enfin, il critique principalement l'analyse statistique qui est faite. Donc, euh, malheureusement, je pense que Darin Belm, il y a quand même beaucoup de choses problématiques qu'il fait. Euh, maintenant, évidemment, il y a eu euh, sa les... méta-analyse, mais même là, je pense que enfin, bon, ouais. oui et non, quoi. Je, je suis mitigé par rapport à ça. Euh, L'étude sur la médiumnité de Julie Baichel, comme j'ai dit, euh, Nicora Govry a, a publié une critique sur le sujet. Euh, Est-ce que ça rend compte de l'ensemble des résultats qu'elle a obtenus euh, Voilà, je suis ambivalent par rapport à ça. Et donc, je dirais que pour moi, euh, les résultats les plus, euh, les plus intéressants à l'heure actuelle pour euh, la parapsychologie, c'est les études Gansfeld. Euh, très bien. Alors, ma position, c'est que mon biais, comme je... <laughs> en tant que présentateur de cette conférence, c'est que mon opinion est que l'existence du psy n'a pas encore été scientifiquement prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, je pose aussi que les sceptiques ne posent à l'heure actuelle pas de très bons arguments aux parapsychologues. Voilà ce que je pense. Alors, il y a eu euh, récemment, euh, enfin, il y a quelques années, une étude euh, euh, chez les dans la communauté des parapsychologues, à laquelle d'ailleurs j'ai participé. Hein. Ils ont envoyé un questionnaire pour savoir qu'est-ce que pensaient les parapsychologues dans la communauté. Donc, tous les gens qui sont membres de la Parapsychological Association. Et euh, le consensus qui s'est des... des euh, Dévoilé, c'est que la plupart des parapsychologues pensent que l'existence du psi euh, est démontrée à ce stade de manière cumulative. Donc ça veut dire qu'ils ne pensent pas qu'il y a une seule expérience qui prouve l'existence du psi, euh, mais euh, que quand on lit l'ensemble de la littérature depuis euh, donc euh, le début de la métapsychique euh, dans la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à maintenant, il en sort euh, enfin la conclusion à laquelle on arrive, euh, c'est que le psi est démontré scientifiquement. Alors, venons un peu pour parler de la zététique maintenant. Euh, la, la, en fait, qu'est-ce que la zététique bah, J'ai repris, ça a été la bannière de, de la page Facebook. Euh, je ne sais pas si elle l'est encore maintenant, je ne suis pas sur le groupe Facebook, donc, mais enfin, c'est une bannière que je connais, euh, qui a été faite pour le, le, le groupe Zététique. Et ce que cela nous dit, c'est que la zététique serait l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux euh, et des allégations extraordinaires et de la fi fiabilité de leurs preuves. D'ailleurs, au départ, il n'y avait pas la deuxième partie, il n'y avait que la première partie. Donc, la zététique, ce serait l'étude scientifique des phénomènes réputés paranormaux. Donc, on se dit, mais c'est comme, comme, comme la parapsychologie ou la psychologie anomalistique, au moins. Moi, je ne pense pas. Je pense que la, la zététique, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, la, la zététique est, un, est beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'étude scientifique du paranormal. C'est avant tout, pour moi, une communauté de pensée, donc des gens qui pensent ensemble, comme on est en train de le faire maintenant. C'est un mouvement militant qui lutte contre les pseudosciences. C'est un mouvement qui, qui encourage la vulgarisation scientifique et philosophique sur le, des chaînes YouTube, etc. C'est une manière d'enseigner la pensée critique parmi d'autres, hein, celle qui a été imaginée par Henri Brock hein, dans ses livres. Il hein, y en a d'autres, comme la, la pratique de la philosophie avec les enfants, etc. Et c'est une méthode de pensée critique qui a été plus ou moins conçue par Henri Brock, euh, qui a un mélange assez bizarre, euh, à mes yeux, de rhétorique, de logique et d'épistémologie. Euh, pour moi, si, si on me dit que la, la zététique c'est ça, je suis d'accord. Mais par contre, et on voit que c'est un peu un truc assez incohérent, comme ça, un ensemble un, un peu fourre-tout avec des choses très différentes dedans. Euh, par contre, ce qui est clair, que la, ce que la zététique n'est pas pour moi, c'est une discipline scientifique. Ce n'est pas une discipline scientifique. Et euh, ce n'est pas non plus l'étude scientifique du paranormal. Enfin, ce n'est certainement pas l'étude scientifique du paranormal. Donc évidemment, c'est vrai que maintenant il y a quelques cours de zététique qui existent en France, mais évidemment, c'est des cours où on enseigne la pensée critique, c'est des cours de pensée critique, où ils reprennent euh, voilà, des notions de philosophie mélangées avec euh, des notions de méthodologie scientifique, etc. Euh, mais enfin, pour moi, ça n'en fait pas une discipline scientifique. Et euh, donc, euh, la raison, bon, je, je, je dis ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup de jeunes sceptiques débutants comme ça qui, qui croient encore ça. Euh, et bon, il faut, il faut un peu euh, évacuer cette idée. -là. De la, de, la, de la sphère zététique, du mouvement sceptique. Euh, et ça vient évidemment du fait qu'Henri Brock, euh, au départ, utilisait des exemples tirés du domaine du paranormal au sens large hein, dans ses livres. Mais son but avec ces exemples, c'était d'enseigner la pensée critique. Donc en fait, ils étaient instrumentalisés pour enseigner la pensée critique, parce qu'il trouvait qu'en fait, on pouvait plus facilement enseigner la, la pensée critique aux jeunes qui s'intéressent au paranormal en prenant des exemples tirés du paranormal, parce que c'est des sujets qui apparemment intéressent les gens. Plutôt que des sujets euh, voilà, que tirés euh, de, de domaines scientifiques abscons, enfin, je dirais, plus complexe, etc. Donc, c'était juste dans une optique de, de vulgarisation et de, de présentation euh, de la pensée critique qu'il faisait ça. Et ce n'était pas vraiment dans le but d'étudier réellement, dans le fond, la, la, le paranormal. Mais malgré tout, il y a cette ambiguïté qui est née au départ avec ses livres et qui est restée pendant très longtemps. Or, maintenant, il y a des gens, je dis ça, qui, qui pensent ça sur le net. Hein. Alors, les arguments que je ne voudrais plus jamais entendre de la part de sceptiques sur la <laughs> parapsychologie. Euh, celui qui m'énerve le plus, c'est si le paranormal existait, ça se saurait. <laughs> c'est un peu. Enfin, je, pourtant, c'est un argument qu'on m'oppose souvent, finalement. Moi, je ne suis pas au courant qu'il y a des études qui prouvent l'existence du paranormal. Donc, le paranormal. Enfin, voilà. Je, je sais pas trop ce que, ce que les gens veulent mettre derrière. C'est un, un argument assez bizarre. Euh, euh, en fait, ils ne sont pas intéressés au sujet, ils n'ont pas lu les, la littérature. Et donc. Jamais entendu euh, le fait qu'il y avait des résultats positifs en parapsychologie, et donc ça ne sait pas en fait qu'il y a des résultats, et donc voilà, ça suffit pour euh, conclure que le paranormal n'existe pas. Euh, euh, il y a aussi l'idée, euh, peut-être, euh, bah oui, euh, si, si les parapsychologues arrivaient à prouver que le paranormal existe, il y aurait une publication dans Nature ou Science qui, euh, qui l'annoncerait à l'ensemble la, du monde. Gros titre, les parapsychologues ont enfin prouvé. Euh, J'en reviendrai plus tard, mais je ne pense pas que ce genre d'événement se produira. Euh, mais euh, euh, je pense que ça sera toujours un, un changement paradigme. Si, si les les parapsychologues arrivent à faire changer la vie de la communauté scientifique, ça sera un changement progressif qui prendra du temps et il n'y euh, aura pas tout d'un coup un grand article dans Nature qui changera complètement la donne. Quoi. Euh, alors, en plus d'un siècle, argument numéro deux, en plus d'un siècle d'études, les parapsychologues n'ont jamais trouvé des résultats significatifs à portée de preuve de l'existence du psy Bon. Ça on a vu encore une fois je lis ça très souvent et c'est aussi un argument on dit c'est une pseudo science parce qu'ils n'ont pas réussi à apporter de preuves de ce qu'ils avancent en fait c'est une conception assez naïve de comment fonctionnent les choses <coughs> si vraiment les parapsychologues ne trouvaient jamais euh, de résultats statistiquement significatifs je pense que la parapsychologie aurait cessé euh, d'exister depuis bien longtemps hein. euh, et en fait quand les gens disent ça enfin si quelqu'un vous dit ça euh, voilà, ça, ça, il montre son ignorance, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a jamais lu, de, qui a jamais ouvert une revue de, de parapsychologie. Donc euh, bon, voilà, après tout ce qu'il dit après, il faut pas l'écouter parce que ça ne sert à rien. Le prix des argument numéro 3. le prix défi de Randy ou de Brock prouve de manière définitive que le paranormal n'existe pas. Donc ça, c'est. Alors c'est vrai que Randy et Brock ont conçu ces prix non pas comme des véritables euh, exercices de science, mais comme des arguments en fait. C'est quelque chose qu'on met en place pour avoir un argument à sommer. Assez ah, né aux gens. Ouais, moi, j'ai offert de l'argent aux médiums et, euh, et euh, personne n'a réussi à obtenir l'argent. Donc, ouais, le paranormal n'existe pas, pas. c'est QFD. Euh, il y a beaucoup de problèmes avec cette position. Entre autres, euh, les controverses scientifiques dans aucun domaine de la science ne sont résolues par des prix-défis. Donc, je ne sais pas pourquoi le paranormal ferait exception. Et puis, évidemment, euh, le, la manière dont sont organisés les prix-défis. Euh, oui, enfin, les prix des n'ont jamais fait de publication scientifique, etc. Bon. Euh, J'en ai parlé sur le podcast, ça ne vaut pas vraiment la peine qu'on vienne en détail dessus. Mais... Fondamentalement, de toute façon, le, le, le domaine du paranormal, c'est vaste. Donc. Et quand on, fait un, quand on teste un voyant ou un sourcier on, euh, on lui demande ce qu'il pense être capable de faire. Mais donc, on pourrait déjà faire l'hypothèse que les voyants et les sourciers ne, ne sont pas se trompent sur leurs capacité, n'arrivent pas à estimer correctement leurs capacités et que leurs capacités sont beaucoup plus faibles qu'elles ne sont réellement. Et hop, on a résolu le paradoxe du prix des filles. Hein. C'est-à-dire qu'ils euh, disent « je serais capable de faire ça », mais en réalité, ils, ils sont capables de faire des choses réellement paranormales peut-être, mais pas au niveau d'ampleur euh, statistique qu'ils pensent être capables de le faire. Euh, ouais, directement, ça ouvre tout à fait un paquet de questions euh, que, évidemment, euh, les gens comme Randy euh, n'ont jamais n ont, n ont jamais euh, Adressés, hein, je dirais, ils n'étaient pas intéressés par ce genre de truc. Ils ne faisaient pas de revue de la littérature. Ils ne citaient pas les auteurs qui trouvaient euh, des résultats positifs pour les médiums comme Julie Baichel, etc. Hein, Parce qu'on n'était pas dans une démarche scientifique, c'était une démarche marketing. On euh, euh, point numéro 4. Citez-moi une étude qui prouve de manière conclusive que le psy existe. Mais là, c'est le fameux truc. Hein, je pense pas que. Enfin, euh, bon, les sceptiques, évidemment, ils n'ont pas envie de lire la littérature, apparemment. Donc. Euh, Apparemment, c'est. Quel... Est le... Donne-moi un seul article que je dois lire et qui me convaincra que les parapsychologues ont réussi à prouver l'existence du psy. Il n'y aura jamais une seule expérience qui vous convaincra que le psy existe, je ne pense pas. Pourquoi bah Parce qu'en fait, il y a un... mettons qu'un parapsychologue fasse un papier et qu'il publie ça dans une très bonne revue hein, et que son protocole soit nickel. Vous pouvez toujours postuler qu'en fait, il a menti sur ses résultats ou qu'il a commis une fraude, etc. Et donc, si on donne à un sceptique un papier, il pourra toujours l'expliquer euh, en disant ben bah oui mais en fait c'est un, un enfin il a fraudé par exemple et c'est pour ça qu'il a obtenu ses résultats sur le papier son article est super mais en pratique c'est pas ce qu'il a vraiment fait dans son labo vous pouvez toujours nier le contenu de l'article parfois à raison évidemment mais hein. je veux dire c'est pour ça qu'une seule étude faite par un seul chercheur euh, ne, ne ne prouve rien de toute façon les sceptiques disent souvent euh, un, un article scientifique en lui-même ne prouve rien mais euh, bizarrement je pense qu'il y a la volonté de ne pas avoir à lire beaucoup de littérature sur la parapsychologie. En fait, on a un avis, les sceptiques et les sceptiques ont un avis très tranché sur la question, mais ils ont pas envie de la lire, lire la littérature pertinente. Et donc, ils veulent, donne-moi donne l'étude que tu trouves la plus convaincante. Je dis, mais je peux te donner, euh, voilà, tu peux lire cet article du Gansfeld, par exemple. Tu vas juste trouver, tu pourras toujours trouver des moyens de rejeter cet article. Encore une fois, comme je le disais avant, les parapsychologues, c'est à travers toute la littérature, en lisant encore et encore et encore des articles qui finissent par être convaincus que le psy existe. Le projet alpha de, dernier argument, pourri, moisi, le projet alpha de James Randi prouve que la parapsychologie est une pseudo-science et que les parapsychologues sont des charlatans. Euh, bah ça, c'est le problème de... Euh, ça, 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 ça rejoint un peu le problème de l'affaire Sokal et des hooks dans ce style-là. Euh, ben non, il y, y a des tas de critères, enfin bon, des problèmes éthiques aussi qui se posent évidemment, parce que vous, vous James Randi, euh, vous imaginez, vous êtes un psychologue, vous faites une expérience, il y a un illusionniste euh, qui se dit, euh, je vais envoyer des mecs. Euh, ah oui, j'ai pas expliqué c'est quoi le projet Alpha. Donc le projet Alpha, c'était des parapsychologues qui voulaient étudier des psychokinéses, et euh, donc des gens qui sont supposés savoir bouger les objets par la, par la pensée. Ah oui. Je vais quand même le dire, mais donc, au niveau des choses que je trouve les moins convaincantes, moi, dans la littérature, c'est quand même les recherches sur la psychokinèse. En tout cas, bon, dans, du côté de la micropsychokinèse, il y a des choses intéressantes. Du côté de la macropsychokinèse, mon opinion à moi, c'est que ce n'est pas très convaincant. Donc, oui, ils cherchaient des, des psychokinèses capables de faire ça et ils, ont, ils en ont recruté. Mais en fait, Uh, Randy a mis uh, deux, euh, deux agents à lui parmi ces psychokinès qui ont trompé pendant plusieurs mois ses euh, parapsychologues. Et puis finalement, il a révélé qu'en fait ces, euh, ces deux sujets euh, que les parapsychologues trouvaient très convaincants euh, étaient en fait des illusionnistes formés par lui. Mais donc vous voyez, il y a la question éthique. Hein. Vous imaginez si un psychologue fait une recherche pas un parapsychologue, mais un psychologue fait des recherches en laboratoire et qui doit s'imaginer qu'il y aura peut-être un autre mec qui va implanter des faux sujets dans son expérience et qui doit anticiper pour ce problème. <laughs> enfin, le mec qui s'amuse à aller piéger les expérimentateurs dans leur laboratoire c'est pas très sympa mais bon c'était le style de Randy quoi. donc évidemment c'est un truc qui énervait fort la communauté parapsychologique mais donc moi je trouve que le projet Alpha est quand même intéressant ça montre que ces deux parapsychologues là euh, n'ont pas mis en place euh, des contrôles suffisants euh, etc euh, dans la littérature on voit que des, des parapsychologues leur, leur avaient fait des remarques à ce sujet là d'ailleurs ça fait évoluer euh, l'idée euh, il faut avoir que les parapsychologues doivent avoir des connaissances en illusionnisme, en mentalisme. Hein, le domaine où les mentalistes, c'est le domaine de l'illusionnisme où, où le magicien simule des dons paranormaux. Et, euh, et, où, et où avoir un illusionniste compétent dans leur équipe, euh, ce, qui, ce qui est totalement consensuel chez les parapsychologues à l'heure actuelle. Mais hein. donc, cette expérience, elle date il y a plus de 30 ans. Euh, euh, Je n'ai plus la date exacte, mais ça date de plusieurs décennies. Donc, le problème, quand on utilise. Euh, même, il y a rien, même si le projet Alpha n'était en rien critiquable de James Randi, c'était vraiment une opération nickel qu'il avait fait. Euh, ça, ça date quand même d'il y a plusieurs décennies. Donc, euh, condamner euh, toute la discipline euh, pour quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs décennies, sans s'imaginer que, que la discipline pourrait avoir évolué d'ici là, est un peu naïf, je trouve. Euh, C'est un peu. Et alors, ici, il y a l'aspect. Euh, euh, encore une fois, même si on pense que ce que James dit était nickel, hein, euh, encore une fois, il a montré que deux parapsychologues se sont fait avoir. Mais euh, c'est bizarre qu'en fait on extrapole à tous les parapsychologues directement. Euh, c'est un peu comme l'affaire Sokal, euh, qui, qui critiqua par d'autres aspects. Mais euh, on dit euh, l'affaire Sokal a prouvé ça, donc euh, je sais pas, moi, toute, la, la, toute la sociologie est une pseudoscience, science ou toutes les sciences humaines et sociales. Enfin, c'est une, une sorte de généralisation abusive qui est faite. Hein. Alors, on vient dans les arguments actuels des, des, des sceptiques. Bon, avant, évidemment, les sceptiques euh, essayaient de, de montrer qu'il y avait des erreurs dans les expériences des parapsychologues. Les protocoles, les des... Donc, il y a eu un certain nombre de livres qui ont été publiés sur le sujet au cours de l'histoire. Ils disaient bah, voilà, le protocole pose des problèmes parce que si, parce que ça l'analyse statistique pose des problèmes parce que si, parce que ça. À ce stade-ci, je vois plus grand. Donc, dans, dans les dix ans qui viennent de s'écouler, euh, ce genre de d'article, de... en fait, bon, c'est lié au fait que la communauté sceptique, euh, les éthétiques, euh, se désintéresse du paranormal à mes yeux, mais, mais donc il euh... aussi, je pense que à ce stade, en fait, les protocoles des, des parapsychologues se sont tellement améliorés qu'il n'y a plus de critiques à faire, enfin beaucoup moins de critiques à faire plutôt. Du coup, euh, euh, les sceptiques sont plus là, quoi. Euh, moi, moi je, évidemment, je milite pour que voilà. Si vous pensez que, la euh, que les parapsychologues font du mauvais travail, bah, argumentez, allez, allez lire la littérature et montrer que dans leurs recherches, ils font ça mal. Bah, Publier ça, évidemment. Mais bah, alors donc L'argument qu'on a à l'heure actuelle, puisque les, gens, les sceptiques et les éthéticiens ne s'amusent pas à aller voir dans la littérature ce qui est vraiment dit en général, et à montrer les erreurs, bah, en fait, les sceptiques et les éthéticiens à qui je parle, bah, ils postulent une erreur. Donc on fait l'hypothèse qu'il y a une erreur quelque part. Ça s'appelle Error Someplace. Donc, tous les résultats parapsychologiques qui seraient positifs, hein, parce qu'évidemment, il y en a des négatifs aussi, mais tous les chercheurs qui auraient trouvé des résultats statistiquement significatifs, euh, ça serait dû à une Error Someplace, une erreur quelque part, soit au niveau statistique, soit au niveau de la méthodologie. Mais on n'a pas besoin, <laughs> ce qu'on sent dans cet argument, c'est que les... enfin, finalement, c'est que l'idée, c'est qu'on sait que le paranormal n'existe pas. Donc, ils obtiennent un résultat positif, donc c'est forcément qu'il y a une erreur quelque part. Euh, et donc, le, évidemment, euh, Error Someplace, l'acronyme c'est ESP, ce qui équivaut à euh, ISP, donc Perception ExtraSensorielle. Donc en plus, c'est un jeu de mots, évidemment. Alors il y a une autre idée que je trouve intéressante à évoquer, euh, c'est euh, l'idée que la parapsychologie sera un groupe contrôle de la science. Donc là, c'est encore, on part du principe qu'on sait, a priori, que, la, que le paranormal n'existe pas et que le psy est impossible. Et donc, s'ils obtiennent des résultats négatifs, les parapsychologues, c'est parce que les méthodologies qu'ils utilisent sont pas bonnes ou que les manières, leur manière de faire les statistiques ne sont pas bonnes. Mais évidemment, les parapsychologues utilisent les mêmes méthodologies que les psychologues à l'heure actuelle. Et donc, en fait, ça nous permet de savoir euh, ce serait un outil qui nous permettrait de savoir. Euh, qu'il qu y a un problème avec la méthodologie, on a la liste statistique qu'on fait. Donc vous savez que la psychologie a aussi problème, beaucoup de problèmes de réplication, etc. Et donc les gens connectent les deux idées en disant, vous voyez, les parapsychologues utilisent des méthodologies très proches de la psychologie, ou la psychologie a hein, une argumentation à faire de ce côté-là. Et voilà, euh, merci pour votre écoute. Si, si ça vous a intéressé, de toute façon on va continuer hein, avec les questions et tout ça. Mais euh, voilà, ça c'est des images de mon de ma série. Hein, c'est c'est la c'est la, la seconde publicitaire. De ma série j'ai et Zoé. Un... Si, vous... si c'est le sujet du paranormal qui vous intéresse, je suppose que si, si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Euh, le volume 1 qui s'appelle Enquête au Loch Ness, c'est le premier volume sur le paranormal. Et on est en train de faire un volume 4 euh... qui va parler du phénomène OVNI et donc qui... qui devrait vous intéresser aussi et qui sera en crowdfunding, donc en financement participatif, très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est super. Euh, J'avais quelques questions en fait, par rapport euh, du coup, à, à ce que tu nous as dit. Et déjà, je voudrais juste que tu reviennes, si c'est possible, sur, en fait, euh, sur comment et quand a été fondée la, la parapsychologie. En fait, parce que du coup, c'est un domaine qui a l'air assez ancien. Oui, donc à la fin du 19e siècle, il euh, euh, y a le, les sœurs Fox hein, qui commencent aux États-Unis euh, à, à communiquer euh, avec l'esprit d'une personne décédée. Euh, avec euh, des bruits dans les murs, hein, des tapes. Hein. Et donc le mouvement spiritualiste, euh, c'est la, la variante du spiritisme. Hein. Une fois que ça arrive en France, ça deviendra le spiritisme avec Alain Kardec. C'est une autre histoire. Mmh. Euh, mais donc le spiritualisme devient extrêmement populaire. Et donc tout le, tout le, tout le monde occidental fait tourner des tapes partout. Hein. C'est quelque chose qu'on oublie. Et donc évidemment, les, les, le, le spiritualisme est une religion. où L'interprétation, euh, que, que ce sont des personnes décédées, que le médium communique avec des personnes décédées, euh, l'interprétation... Euh, Religieusement dominante. Hein. Mmh. Et donc, euh, il y a eu des chercheurs qui, qui n'étaient pas convaincus par cette explication et qui ont décidé de faire des recherches sur ce sujet et donc de tester les médiums euh, pour voir aussi s'il y, y avait des fraudes, etc. Et donc, ils ont créé euh, l'Institut Métapsychique de hein, euh, Society for Psychical Research en Angleterre. Et qui, la variante française, c'est l'IMI, Institut Métapsychique International, qui existe encore à Paris. Et euh, oui, donc, euh, chez les. Chez les, donc les métapsychiques, les hein, lancers de la parapsychologie, euh, bah, l'interprétation en termes d'esprit n'était pas la plus dominante, mais ils sont, venus, ils sont venus arriver à des conclusions du genre euh, que c'était en fait euh, de la télépathie ou des choses comme ça. Évidemment, euh, ça a fait qu'ils n'étaient pas très copains avec les spiritualistes qui insistaient qu'on était bien face à une communication avec des personnes décédées. C'est marrant parce qu'en faisant ça, forcément, ils faisaient un peu œuvre de scepticisme ou de zététique mm -hmm. puisqu'ils critiquaient euh, le dogme spiritualiste. Et puis alors, euh, plus tard, il euh, y en a qui se sont rendus compte que euh, la méthodologie d'essayer euh, d'aller voir, euh, tester un médium euh, sur le terrain, hein, étude de cas, euh, on pouvait lui mettre, euh, vous savez, on, on attachait ses mains et ses pieds pour qu'elle ne puisse pas bouger, etc. On la fouillait. Enfin, il y a une connotation sexuelle aussi dans tous ces trucs-là. Mais... Euh, parfois, on lui demandait d'être toute nue pour être sûr qu'elle ne puisse pas euh, faire des choses. Enfin, euh, bon, et, euh, ça a été... C'est un, 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 un truc super marrant pour les sociologues, évidemment. Mais... Euh, mais euh, finalement euh, Rhin a dit euh, non mais tout ça, ça ça ne mène à rien ce qu'il faut faire c'est des études expérimentales donc ça on est dans la première moitié du XXe siècle et donc il décide de faire des études expérimentales donc avec les cartes Zener là les fameuses cartes hein, avec euh, des symboles des, un, un rond une croix des vagues okay. etc et donc des, des expériences en laboratoire pour que ça soit beaucoup plus contrôlé parce qu'il disait qu'en fait l'approche la, <laughs> faite avant ça ben, elle, elle permettait pas d'arriver elle avait échoué à démontrer de manière certains phénomènes, donc il fallait mieux ramener ces phénomènes en laboratoire. Et à ce moment-là, il, il crée le terme parapsychologie. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des, des domaines d'études de la parapsychologie qui ont été abandonnés au fur et à mesure, en fait. Donc le, que le domaine à la base était beaucoup plus large. Euh, non, je dirais pas ça parce que ça, 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 ça rentre toujours sous l'étude, donc l'étude des médiums, ça rentre sous le programme euh, l'étude de l'hypothèse survivaliste. Hein. Donc, j'avais dit, ils étudient soit le psy, soit l'hypothèse survivaliste. Et les parapsychologues, encore maintenant, étudient les médiums. Et c'est simplement que la discipline a été euh, renommée. Euh, parce qu'évidemment, elle cherchait, elle, elle cherchait aussi une, une, à se donner une nouvelle image de scientificité. Hein. Ouais. Euh, mais c'est vrai que la, la parapsychologie, évidemment, euh, surtout son créateur, donc euh, Rin, hein, insistait sur la, la recherche en laboratoire. Maintenant, à l'heure actuelle, évidemment, il y a des recherches en laboratoire qui se font. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Euh, mais euh, ce n'est pas euh... Il faut encore des Il faut encore des recherches à l'antienne aussi hein. entre autres une des raisons c'est parce qu'évidemment euh, tout le monde n'a pas accès à un laboratoire avec des fonds ça coûte cher etc Donc, en fait finalement les malheureusement les études en laboratoire les plus, qui, sont, qui sont pour moi les plus intéressantes elles sont très rares. Hein. Mais par exemple, en Allemagne, je crois que c'est en Allemagne actuellement, il y a un groupe qui étudie un médium qui fait des apports physiques. Donc, il est supposé arriver à manifester des objets autour de lui par génération spontanée, comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui est suivi par la communauté parapsychologique. Ils essayent de mettre en place des contrôles, etc., pour voir si c'est du mentalisme ou s'il est réellement capable de le faire. Donc, ils font encore, ils font encore ce qu'on faisait au 19e siècle. Quoi qu'il quoi, faut quand même souligner qu'évidemment, les grands médiums à la 19e siècle ont vraiment fort disparu. Voilà, le cas dont je parle, là, qui est étudié actuellement, euh, c'est l'exception et pas la règle. Quoi. Tandis qu'à la fin du 19e, les, les cas. Alors, ce que les sceptiques aiment bien dire, c'est qu'évidemment, les caméras infrarouges ont été inventées, etc. Et Avec une caméra infrarouge, on peut beaucoup plus facilement voir les, la tricherie. Hein. Alors, je vais prendre un petit peu la main. Euh, mm -hmm. Merci déjà, Jean-Ferrand, qui est à la fois dense. Euh, et éclairante parce que tu as réussi, je pense, à, à montrer un petit peu aux gens le côté sérieux des études en parapsychologie, alors que la plupart des sceptiques, et c'était mon cas, hein, clairement, euh, on a eu plutôt affaire au charlatanisme qui est autour de la parapsychologie. Euh, tu parlais rapidement de Yuri Geller tout à l'heure. Euh, en 1987, Yuri ah, Geller est venu. Ouais, tu as une seconde. C juste Si je peux me permettre, c est, ouais, <bas> il, c est... il est Israélien et pas Russe, et donc ça se prononce, ça se prononce Yuri Geller et pas Yuri Geller. D'accord. Pas Yuri Gagarine. Hein. D'accord. <laughs> donc Yuri Geller, pardon. <laughs> voilà. D'accord, ça marche. Euh, donc il était venu sur le plateau de Michel Pollack pour faire la promotion euh, de, de sa méthode, la fameuse méthode Geller et de ses DVD, qui était très novateur à l'époque. Et Majac, ça déboulé sur le plateau pendant l'émission. Alors, je mettrai en lien euh, l'extrait le, vidéo de 1987. Et en fait, euh, Yuri Geller, comme tu le disais, faisait de la macrokinèse donc des choses euh, un petit peu, qui maintenant sont considérées comme du phénomène de foire. Et Majax l'a démonté, mais complètement. Et dans ce que tu disais, dans ce que tu montrais, je trouve qu'il y a un côté sérieux dans la parapsychologie telle que tu la présentes, euh, dans le sens scientifique, d'écarter le faux. C'est-à-dire que euh, toi, mais aussi d'autres parapsychologues que j'ai côtoyés, euh, vous êtes vraiment dans une démarche de recherche, vous êtes dans une honnêteté de pensée. Vous n'êtes pas en train de crier haut et fort partout, ça marche, Eureka, j'ai prouvé ceci, j'ai prouvé la vie après la mort, j'ai prouvé la psychokinèse. C'est pas ça que je lis. Ça, je le lis euh, chez les on va dire les croyants dans ces phénomènes, mais ce ne sont pas des parapsychologues en fait. Euh, donc en, en cela, je trouve que c'est une affaire sérieuse, la parapsychologie, quand elle est bien abordée. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle va être bien abordée bah, C'est la qualité des protocoles, et c'est souvent là-dessus que c'est retoqué. Il y a eu pas mal de cas de, de fausseté, d'affabulation, de, de, de charlatanisme hein, dans les protocoles, et je crois que c'est ça que les gens retiennent le plus. Euh, du côté zététique et sceptique pour quelqu'un qui ne croit pas en, en prime abord, qui a une posture réductionniste euh, évidemment voir euh, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, lui il a menti lui il a triché, bah, au bout d'un moment on se dit mais euh, c'est n'importe quoi quoi. et ils connaissent pas le, le sérieux de la psychologie que tu as montré euh, je voulais, après, on va passer assez vite aux questions, je pense, Jean-Michel et Flavien, parce que l'heure avance et on en a eu beaucoup. Donc, je pense que ça va être très intéressant de, okay. de confronter Jean-Michel euh, aux questions du public, euh, ce qui ne nous empêchera pas d'en de, parler un petit peu. Euh, je peux réagir sur ce, oui. oui, ouais. Donc, euh, sur ce que tu viens de dire Oui, euh, vas-y, oui. Donc, sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que même en France, hein, je pense que des gens qui. Enfin, c'est parce qu'il y a des gens qui s'intéressent au paranormal qui sont. Euh... Des personnes médiatiques, hein, euh, le docteur Charbonnier, etc., hein, mais, euh, Yves Lignon et d'autres. Mais euh, si, moi, je pense que ce que vous devez voir, c'est quels sont les. À chaque, en fait, il y a des gens plus sérieux en France, comme euh, Renaud Evrard, euh, on va dire Renaud Evrard, par exemple, qui est le président actuel de la Parapsychological Association, euh, mais qu'on qu entend beaucoup moins, évidemment. Enfin, c'est toujours la, la, la question qui est dans les médias, enfin, bon, qui n'est pas du tout un problème spécifique à la parapsychologie. Mais je pense que vous aussi prenez le réflexe quand vous voyez quelqu'un, hein, même, même comme ça, le docteur Charbonnier par exemple. Euh, évidemment, il faut voir quels sont ses diplômes, etc. Mais regardez surtout s'il a fait des publications dans uh -huh, des revues uh -huh. scientifiques et à comité de lecture, y compris en parapsychologie, parce que les trois quarts de ces gens euh, qu'on voit dans les médias, euh, euh, comme euh, celui qui a écrit le livre Le Test, là, que j'ai une fois été débattre à Paris, enfin, des gens célèbres comme ça, ils euh, ne. Euh, ils n'ont jamais fait de publication. Donc, pour moi, je veux dire, même si on a des diplômes, des diplômes scientifiques, mais qu'on fait pas de publication scientifique, euh, on, bah, je veux dire, on n'est pas vraiment un parapsychologue. Hein. Il faudrait déjà, vous pouvez déjà commencer à voir s'il est membre de la Parapsychological Association, mais encore une fois, la, la cré, crédibilité d'un chercheur, c'est quelle, quelle publication il a fait, et pas, pas est-ce qu'il est, est qu publie des livres grand public sur le sujet et qu'il passe sur les plateaux de télé pour parler des. De, de X ou Y. Quant au, au problème des, des médiums qui utilisent des tours, euh, on appelle ça des pseudo-voyants, hein, comme Geller, euh, qui a été pris en nombreux fois en, en tricherie, euh, ce qui n'empêche pas certains de penser qu'il a vraiment des pouvoirs, mais bon, ça c'est un autre problème. Euh, moi, je, moi, moi, ma position, c'est qu'effectivement, c'est très problématique quand on teste un médium qui a une réputation. Et c'est pour ça que je suis vraiment très fan, personnellement, c'est encore une fois mon opinion, des études. Euh, testent euh, des sujets tout venant, donc euh, des étudiants en psychologie, etc. Euh, là, l'hypothèse, c'est que tout le monde aurait du psy à un faible niveau, même s'il y aurait des sujets doués aussi, qui en aurait beaucoup plus. Et donc, on peut le détecter euh, des sujets euh, tout venants. Comme par exemple, dans le Gansfeld dans le ganzfeld, ce ne sont pas, euh, on ne fait pas venir des gens qui sont supposés avoir des dons paranormaux. Okay. On prend des gens dans, dans la rue, quoi. comme pour, toutes les, pour, pour bien des expériences de psychologie. Et donc, évidemment, si un médium célèbre comme Uri Geller a de la motivation pour tricher et arrive à essayer de tromper euh, les expérimentateurs, bah, je vois mal euh, dans ce genre d'expérience où on prend des sujets tout venant, pourquoi des étudiants à psycho à qui on donne 5 crédits enfin, ça, ça, ou 5 euros euh, pour les motiver à participer à une expérience, bah, eux seraient motivés à essayer de tricher. Donc, toutes les expériences pour moi, bon, encore une fois, c'est mon opinion ou un peu mon heuristique à moi, mais les, toutes les recherches qui ne se font pas avec des sujets doués, mais qui se font avec des sujets venants, sont directement beaucoup plus crédibles, parce que euh, ces sujets-là n'ont pas de motivation à, à influencer les résultats du chercheur. D'accord, très bien. <coughs> Est-ce okay. qu'on passerait aux questions du public Alors je pense que oui, parce qu'il y en a des très intéressantes et qui, mm -hmm. euh, qui correspondent un petit peu à ce dont on a parlé. Mm -hmm. euh, tu veux y aller, Fabien tu... euh, écoute, Je te laisse euh, commencer. Mais évidemment, je veux dire, les parapsychologues, eux, ils vont s'intéresser aux OMI tels qu'on peut euh, euh, les observer euh, voilà, scientifiquement. Et donc, c est, c est pas, ça ne va pas être connecté directement à au néo-occultisme où il y a toute une religiosité qui s'est construite autour de ces notions. Alors après, évidemment, il est vrai que les, les néo-occultistes vont utiliser les, parfois les recherches des parapsychologues pour justifier leurs croyances, mais... Euh, ou leur religiosité. Mais... En gros, si vous, voulez, si vous avez une religion, euh, parce que bon, le, néo le néocultisme, pour moi, c'est un peu un, un, un mouvement religieux, hein, qui, qui, euh, qui se, qui, euh, se fonde sur les, sur les phénomènes paranormaux, et que d'un autre côté, vous avez des scientifiques qui étudient ces mêmes phénomènes supposés paranormaux, ben, forcément, il y a une intersection, mais ça ne va pas au-delà de ça. Alors, étudier, étudier la religiosité, ça c'est un autre problème, parce que étudier l'ésotérisme, bon, ou les, le néocultisme, pardon pas du domaine de la parapsychologie ça fait ça fait pas partie euh, de du, c est, c est ni l'étude du psy ni l'étude des hypothèses survivalistes ça relève de la psychologie de la religion euh, qui était d'ailleurs le sujet dans lequel j'ai travaillé durant mes études mm -hmm. euh, on étudie là-dedans les en psychologie en tout cas euh, euh, les nouvelles religiosités aussi, euh, où ça relève de la sociologie ou de l'anthropologie ou, ou des sciences n'importe quelle, enfin toutes les sciences humaines exactes, mais ça, la parapsychologie n'a pas grand-chose à dire sur une religiosité qui se fonderait là-dessus, hein, sur les phénomènes paranormaux qu'elle étudie. Euh, J'ai une question par, par rapport justement au modèle euh, survivaliste c'est quoi les théories qui sont utilisées, <coughs> qui sont, on va dire, euh, dominantes euh, en parapsychologie par rapport à ça par rapport à l'hypothèse survivaliste, euh, bah, pff, oui, mais c'est assez conflictuel. Ça, il hein, n'y a pas vraiment de consensus même chez les parapsychologues. Il euh, y en a donc qui pensent qu'en fait, euh, comme je l'ai dit. Euh les médiums ne, ne contactent pas l'esprit des morts, mais euh, ce qui contacte euh, en réalité, c'est en fait les médiums extraient l'information par télépathie, par lecture froide et chaude, à chaud évidemment, hein, comme les mentalistes, et parfois en plus avec euh, un peu de, de télépathie euh, ou de prémonition, mais qui ne sont pas réellement en contact avec l'esprit des morts. Euh, sinon, euh, au niveau de, des EMI, euh, des expériences de mort imminente, donc c'est vrai qu'il y, y a des auteurs qui, qui défendent Mordi, que, que la réincarnation. Euh, c'est un phénomène validé. Je ne sais pas dire à quel point euh, c'est quelque chose qui, est, euh, enfin, que, qui emporte l'adhésion euh, de la communauté parapsychologique. On retrouve ces auteurs chez les parapsychologues, mais je ne sais pas... Euh, je n'ai pas vu de sondage qui montrerait ce que pense la communauté parapsychologique dans son ensemble sur la question de la réincarnation. Mm -hmm. euh, cor correspondant... Euh, oui, donc, bon, là, il n'y a pas de théorie tellement, ce serait juste que l'idée de la réincarnation serait vraie. Euh, et con concernant les EMI... Euh, oui, bah, oui c'est ça que la conscience survient à la mort du corps et ce serait pas quelque chose de surnaturel. Hein. En général, les, les parapsychologues n'aiment pas, pas tout ce qui est surnaturel, mais évidemment, ils vont du côté plutôt de la physique quantique et des choses comme ça. D'accord, très bien. Alors, je rebondis sur la question 2 pour que Flavien puisse suivre. Euh... Et j'en profite pour. Euh, je regardais un petit peu le chat. Euh, moi aussi, ça m'intéresse que tu nous mettes en lien euh, ce qui peut aider un zététicien ou un non zététicien, d'ailleurs, un non sceptique, euh, à avoir accès à du travail de qualité en parapsychologie. Parce que sur Internet, quand on est livré à soi-même, c'est très dur d'aller faire une recherche sur. Euh, voilà, j'aimerais bien me renseigner et apprendre quelque chose d'intéressant, euh, quelque chose de vrai, euh, quelque chose de sérieux. Euh, comment faire et je crois que tu, tu, as, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure dans ta conférence de, des travaux de personnes intéressantes et pertinentes. Tu pourras mettre quelques liens dans, à la fin Enfin, on mettra, hein, Jean-Michel. Ouais, oui, enfin, dire, moi, 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 instinctivement, j'ai envie de répondre. Euh, ouais, lisez, lisez mes livres, évidemment 60 questions sur le paranormal, <laughs> et les réponses que la science y, approche, y apporte. Ou alors, en euh, français, euh, bon, après, en anglais, c'est notre histoire, mais en français, il y a les livres de Renaud Evrard. Euh, sont, qui sont évidemment des travaux académiques. Hein. Euh, en gros, en français, c'est ce que, ce que je trouve le mieux. Hein. On vous euh... mettra plein, plein de liens plus tard. Et il y a quelqu'un, justement, euh, je, je parle de ça, euh, Est-ce que tu as un avis personnel sur les travaux de l'Institut métapsychique international Est-ce que tu les juges crédibles Est-ce que tu penses que c'est pertinent Qu'en penses-tu mmh... Peut-être c'est dur de répondre globalement sur un ensemble de travaux. Ouais, mais pff, ouais, en plus je, je suis pas vraiment au courant de travaux qu'ils auraient fait euh, euh, vraiment. Euh, Peut-être que la récemment. personne pourra préciser euh, dans le chat. Euh, un petit mais petit euh, oui, en tout cas, je, ce, que, ce que je peux dire sur l'institut métapsychique international, c'est qu'ils ont un cours, euh, ils donnent un cours en ligne de parapsychologie, donc euh, vous pouvez aller le suivre si ça vous intéresse. Euh, c'est un, un cours en ligne. Alors euh, personnellement. Je ne le trouve pas assez, pas assez sceptique à mon goût, évidemment. Euh, je pense qu'il devrait mettre plus de nuances, etc. Mais euh, voilà, il propose une formation euh, en ligne euh, qui est pas mal. Je vois leurs conférences passer, etc. Il euh, y a des, des gens qui travaillent beaucoup avec, euh, avec euh, l'IMI, comme euh, Bertrand Meust. Euh, mais enfin, évidemment, là, est-ce voilà, est que les travaux de Bertrand Meust relèvent de l'IMI Non, hein, c'est des travaux de Bertrand Meust. Euh, mon avis sur Bertrand Meust, euh, euh, bah, c'est quelqu'un qui a qui a une, des réflexions intéressantes, euh, il n'est pas sceptique, euh, mais euh, je, je pense que ça vaut la peine de lire ce qu'il écrit. Hein. C'est vrai que c'était sur le phénomène Omni qui était mon sujet de thèse. Évidemment, c'était un des premiers à souligner euh, l'antériorité de la science-fiction sur euh, les observations d'Omni contemporaines. Euh, donc, euh, enfin, je trouve que, que ce que fait Bertrand intéressant, euh, est intéressant. C'est pas au-delà de toute critique. Euh, je, je suis plus sceptique que lui sur certains des sujets qu'il aborde. Euh, voilà il y a des choses plus problématiques sur ce qu'il fait comme euh, par exemple euh, bon, il est, il est... encore je suis même pas spécialiste de Bertrand Meus hein, mais... enfin c'est vrai qu'il avait sorti un livre sur, euh, sur le fait que Jésus était un médium bon. euh, personnellement euh, moi je suis assez euh, je pense qu'on ça semble osé on... ouais, euh, je veux dire le, le problème c'est que Enfin bon, ça c'est un problème de théologie, mais on ne sait rien dire sur le Jésus. On n'est on même pas totalement sûr qu'il y ait eu un Jésus historique. Donc, savoir ce que, ce, qui était le Jésus historique, c'est vraiment très problématique selon moi. Et alors, à venir dire, ben bah oui, bah c'était un médium qui, qui utilisait le psy pour, pour faire des, des miracles. Bon, voilà, voilà, un, bon, mais c'est un auteur intéressant malgré tout. Oui. Mmh. Euh, je rebondis rapidement. Je parlais d'un argument... Qui était utilisé par les gens qui pensent que la parapsychologie prouve l'existence du psy ou du survivalisme, c'est l'argument cumulatif. Alors, je vais faire un petit peu le méchant zététicien, tu m'excuseras, Jean-Michel, mais je suis assez d'accord avec les gens qui récusent cet argument. Il y a pas mal de, de raisons pour ça. D'abord, les biais de publication. Souvent, on a tendance, et ce n'est pas que en parapsychologie, hein, je précise, ce n'est pas une attaque contre la parapsychologie en particulier, mais on a tendance à ne pas publier euh, ce qui ne marche pas. Et c'est un drame euh, en science d'une manière générale, c'est que euh, ne pas publier ce qui ne marche pas biaise totalement les méta-analyses si on essaie de considérer l'ensemble des publications. Mmh. On va avoir un effet tiroir, on va avoir euh, donc, des problèmes. quoi. Euh, que penses-tu de l'argument en fait qui est avancé euh, par ces gens-là qui s'abritent finalement en disant voilà on peut récuser chaque chose mais au cumulatif ça donne un effet euh, global, effet à l'eau que bah si en fait il y a quelque chose et suffisant. Moi je dis qu'en penses-tu C'est possible évidemment c'est possible mais hein. il y a quand même oui, oh, j'ai bien compris. Oui. Non, mais je, bon, je pense, je pense que c'est possible. Maintenant, beaucoup de choses sont possibles. Le problème, c'est de le démontrer finalement. Mais maintenant, un contre-argument, ça va être de dire que, les, les, évidemment, on a souvent, depuis très longtemps, objecté l'effet tiroir aux au parapsychologues. Donc, l'idée que les parapsychologues ne publieraient que les résultats positifs et ne publieraient pas les résultats négatifs, et que donc ça donnait une fausse impression. Et ils en ont conscience. Et donc, depuis un certain nombre d'années, le laboratoire d'Édimbourg a mis un système de d'enregistrement à l'avance. Donc, si vous voulez faire une expérience de parapsie, par exemple, vous voulez faire une réplication du Gensfeld, euh, vous devez enregistrer le fait que vous allez faire la réplication avant de l'avoir fait, et donc avant, euh, avant d'avoir eu les résultats. Comme ça, si vous obtenez des résultats négatifs, vous ne serez pas tenté de, euh, de ne pas les publier. <laughs> Alors, évidemment, il y a, y, a euh, y a aussi l'idée qu'on ne publie pas euh, les résultats négatifs euh, donc évidemment ce système de pré fait qu'on a on a des, les parapsychologues ont donc des moyens d'estimer est, euh, euh, l'effet euh, l'effet tiroir et donc il y, y a des statisticiens qui ont développé des méthodes pour estimer est-ce que les résultats du gunsfeld sont dus à un effet tiroir ou pas et en général ils concluent à la négative euh, quand c'est des parapsychologues quand c'est Richard Wiseman je suppose qu'il conclura la positive lui, mais, mais euh, mais euh, voilà, donc euh, les, les parapsychologues ont vraiment mis en place des choses qu'on même on ne trouve pas dans des domaines comme la psychologie encore à l'heure actuelle. Ils, ils sont en avance en fait okay. pour essayer de contrer cet argument de l'effet tiroir euh, des, des, des publications non prouvées. Et euh, oui, donc ils ont eu vraiment une, une stricte politique dans les revues de parapsychologie de publier les, les résultats négatifs parce qu'ils savent très bien que c'est la remarque, enfin que c'est une, une des critiques qu'on va leur faire directement. Donc, euh, Enfin, ils ne sont pas stupides, ils savent les critiques qu'on leur fait depuis des décennies, donc euh, ils essayent de les anticiper du mieux qu'ils peuvent. Hein. On a vu, je fais une parenthèse, on a vu avec le coronavirus danger des méta-analyses euh, lorsqu'on se retrouve devant une multitude de, de publications plus ou moins honnêtes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il faut les traiter rapidement, là je parle de science, hein, euh, pour essayer de dégager un consensus. Et la méta-analyse euh, montre ses limites dans ce genre de cas. C'est-à-dire que c'est à chaud, c'est tout de suite, il se passe plein de trucs, on ne sait pas trop. Euh, donc si on fait du global, c'est dangereux. Est-ce qu'on ne va pas retrouver le même danger en parapsychologie du coup oui, ça c'est une des autres critiques qu'on fait souvent, et c'est et vrai, euh, en anglais on dit garbage in, garbage out. Hein, donc si les études que vous mettez dans la méta-analyse sont de mauvaise qualité au départ, bah, la méta-analyse euh, sera elle-même de mauvaise qualité, quoi, elle n'est jamais que la somme de ses composants. Et euh, d'ailleurs, Richard euh, Hyman, pardon, le sceptique dont je parlais, euh, qui a beaucoup contribué au débat sur la parapsychologie, euh, dans, dans une de ses dernières publications, face aux diverses euh, méta-analyses, euh, du Gansfeld sortait cet argument-là en disant c'est vrai que vous avez des méta-analyses qui semblent prouver un effet positif du psy mais euh, non, en fait c'est des ordures à l'intérieur au départ des ordures à la fin et donc euh, c'est ça qui explique et donc il disait qu'il fallait mieux se méfier euh, de analyse euh, et qu'il fallait mieux regarder les études individuellement pour voir comment elles étaient réalisées bien entendu hein, c'est une argumentation enfin euh, voilà moi je suis quand même sceptique hein, de l'existence du psy donc euh, entre guillemets ça me parle même si, encore une fois, je pense que dans les, dans les études les plus récentes du Gansfeld, euh, après, surtout quand on est passé au, au à l'auto-Gansfeld, et même dans les versions plus récentes, je pense que c'est difficile d'argumenter que ces études sont mal faites. Mais on peut, on peut, on peut imaginer, un hein, erreur someplace, qu'il y a une erreur quelque part. Hein. Euh, mais bon, ça a contrasté avec le fait que souvent, les sceptiques ou les ététiciens disent euh, bah, les méta-analyses, c'est la preuve ultime euh, en science, c'est la meilleure preuve, et donc... Euh, Oh, quand quand c'est euh, en médecine, on va dire, ah oui, bah ça, ça prouve vraiment quelque chose. Mais si c'est euh, que ça prouve le psy, là-dedans, ça ne prouve pas parce qu'on sait que le paranormal n'existe pas. Donc... Je pense qu'il faut être cohérent. Hein. Il faut, il faut pas, comment dire... Le problème ici, c'est le double standard. Hein. Euh, et souvent, on applique un double standard avec les parapsychologues. C'est ce, ce qui les rend très malheureux, d'ailleurs. Ouais. Mmh. Et, et aussi, on en avait parlé, mais ce qu'on a remarqué aussi euh, parmi certains optiques, c'est que la. La suspension du jugement, en fait, euh, a priori, euh, n'est que rarement en fait, euh, mise en pratique, surtout pour les domaines de, de la parapsychologie, en fait. Ouais, moi, je pense que, oui, effectivement, chez les sceptiques, euh, y a, il, la, la, la conviction, et c'était chez moi d'ailleurs aussi, hein, la conviction que le paranormal n'existe pas est forgée très tôt. Hein, donc, euh, on lit un livre de Brock et Brock nous dit que euh, le paranormal n'existe ne pas. Donc, euh, c'est un physicien, il sait de quoi il parle. Donc on forme très tôt cette opinion, et puis après, il y a le, bia le biais de confirmation qui entre en plein, donc euh, on a du mal à, à se remettre... Euh, voilà, on, on, toutes, les, toutes les informations qui vont à l'encontre de l'idée euh, que le paranormal pourrait potentiellement exister sont filtrées à travers ce biais de confirmation qu'on a mis en place très tôt dans notre carrière des et mm -hmm. euh, Moi-même, euh, je, je veux dire, moi, je n'ai pas du tout eu toujours l'opinion que j'ai maintenant, euh, que j'ai de la parapsychologie. Il hein. quand, quand y a 20 ans, j'étais le premier à... À casser du sucre euh, sur les parapsychologues, à dire du mal de l'IMI, etc. Je tenais un discours totalement différent il y a 20 ans. Hein. Mmh. Euh, parce que j'avais évidemment ce, ce, cette réaction. Évidemment, mon opinion a changé au fur et à mesure parce que je me suis mis à. à enfin, j'ai voilà, fait ce que je pense que les sceptiques devraient faire quand ils veulent s'intéresser <laughs> à un sujet c'est que j'ai été lire la littérature pertinente. Et puis, on, se rend, on commence. Lentement, après, on ne change pas d'avis directement, hein, mais au plus on lit, plus on se rend compte que peut-être que la position qu'on a, elle n'est pas assez nuancée, en tout cas. Mmh. Mmh. Alors on a une question. Oui, j'avais ouais, encore. Un... Ah, oui, pardon. J'avais, ah, j'avais encore une, une question. Un point sur ce sujet-là. Je pense que c'est lié aussi à la religiosité, c'est-à-dire que la, la communauté sceptique et zététique sont généralement des athées. Or, évidemment, l'athéisme rejette les distances des miracles, hein, et donc euh, on a très tôt dans notre tête, euh, en tant qu'athée ou agnostique en tout cas, ou c'est est, voilà. pas impossible d'être zététicien et chrétien, etc. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais bon, majoritairement, on est plutôt athée ou agnostique. Euh, et donc, euh, on a l'idée bah, les miracles, ça n'existe pas. On rejette l'existence des miracles. Et du coup, euh, par extension, on rejette l'existence des phénomènes paranormaux, je pense, euh, à cause de ça. Euh, alors qu'en fait, euh, comme je l'ai dit tout déjà pendant la conférence, euh, C'est les parapsychologues n'ont rejettent toute interprétation religieuse en, en général il y a des exceptions en France en Belgique on en a un justement euh, qui avait fait une thèse euh, dans ma faculté de psychologie euh, sur un sujet paranormal et lui était un chrétien il a fait euh, il défendait euh, dans un de ses livres il a défendu l'hypothèse euh, Spi, au lieu de l'hypothèse psy, et c'était l'hypothèse spirituelle sur l'existence des démons. Enfin bref. Donc on en trouve, hein, mais c'est quand même pas la, la, la majorité. La majorité, euh, en fait, ils sont, ils sont très euh, sécularisés eux-mêmes. Vous voyez bien que le, le, le psy, donc euh, l'idée de télépathie, etc., c'est pas. Euh... défendre l'idée qu'en fait, si on arrivait à prouver l'existence de ces phénomènes, ils feraient partie de la nature et pas de la surnature, hein, que ce ne serait pas quelque chose de surnaturel à l'œuvre. Donc que ces phénomènes seraient compatibles, y compris euh, les expériences de mort imminente, qui s'expliqueraient par exemple par de la physique quantique ou des choses pareilles. Bon, évidemment, au niveau des explications de physique quantique, je suis pas du tout euh, compétent là-dessus et j'ai fait un épisode récemment sur le podcast avec une, physique, une philosophe des sciences spécialisée en physique quantique, si ça vous intéresse. Mais j'ai pas, enfin, bon, personnellement, je suis toujours très méfiant de ce genre d'explications, mais c'est mon biais à moi. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, ils enfin, ils, invo ils invoquent jamais euh, d'explications religieuses et ils défendent jamais. Euh, jamais. Le, la majorité des parapsychologues sont sécularisés. Et donc ça crée une sorte de... Voilà, les éthiciens, ils réagissent par rapport au miracle et par extension à toutes les prétentions paranormales comme ça. Alors, avant d'aller sur la question suivante, parce que tu abordes quelque chose que je voulais aborder. Euh, pour essayer de résumer, on va avoir le zététicien, le scientifique, qui va être plutôt réductionniste. C'est l'approche réductionniste des choses. C'est la science. Entre guillemets dur. À l'opposé du spectre, on a le positivisme. La personne va dire tout est possible, tout se vaut, pourquoi pas. Euh, euh, ouais, il y a un pouvoir et il n'a pas besoin de preuves et il s'en fiche un peu des preuves. Euh, le juste milieu, c'est quoi Pour pas oui, tomber dans un excès, quels quel pourraient être les garde-fous de pensée, d'hygiène mentale, qu'on peut développer Par exemple, je suis esthéticien. Euh, mettons, alors euh, excusez-moi pour la citation, hein. mettons que je sois brokien et plutôt carré, et je vais dire non, ça n'existe pas, il euh, n'y euh, a aucune preuve que ça existe, donc je vais considérer que ça n'existe pas. Je vais être réductionniste, et je vais dire à vous d'apporter une preuve, annonce extraordinaire, preuve extraordinaire, j'attends. Voilà, j'ai fait le réductionniste. Si je fais le positiviste, je vais dire bah ouais, mais vous voyez un peu tout ce qui se passe, il y a des trucs bizarres, euh, bah si, il y a forcément quelque chose, ça ne vient pas de rien, bah si, moi j'y crois. Euh, voilà, on peut, je pense, trouver un juste milieu qui va être intéressant, qui va faire progresser chaque partie. Qu'est-ce que tu en penses toi comment, comment pouvoir faire Comment on parle à un zététicien qui va être un peu bloqué sur sa position réductionniste Comment on parle à l'opposé du spectre, un positiviste, pour lui apporter un petit peu plus de rationalité Oui, moi, je pense que effectivement il y a une tension, mais ça après il faut essayer de la réconcilier à l'intérieur de chaque personne. Je pense à... donc. Le fonctionnement de la science en général, et puis euh, enfin dans sa globalité, et puis euh, à l'intérieur de ta tête à toi. Hein, je, je veux dire dans ta tête à toi. C'est vrai que le problème, en fait, c'est que les parapsychologues, ils s'intéressent à des anomalies par rapport à la science contemporaine, hein, des, des choses qui sont des bizarreries par rapport à notre connaissance scientifique actuelle. Bah, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, euh, c'est pas mal d'être ouvert à l'idée qu'il y a des bizarreries qui restent à étudier dans le monde et euh, avoir une sorte de curiosité par rapport à ces anomalies. Maintenant, moi, en tant que sceptique, je trouve que l'approche réductionniste, donc d'abord épuiser euh, toutes les hypothèses prosaïques, c'est une bonne chose. Hein. D'abord voir, est-ce qu'on ne peut pas expliquer, et beaucoup de, beaucoup de parapsychologues seraient d'accord avec ça aussi, hein, que avant d'étudier le paranormal, il faut commencer par voir ce qui est du normal dedans. Hein. Euh, mais... Euh... Maintenant, je pense qu'au niveau de la communauté scientifique dans son ensemble, bah, je pense que c'est bien qu'il y ait des débats entre, euh, entre des gens qui, dé qui défendent, euh, des gens qui soient probablement euh, comment dire, plus créatifs ou qui, qui, qui soient attirés par ces anomalies et qui, qui poussent un peu les limites de la science, et puis qu'il y ait des gens plus conservateurs d'un autre côté qui leur disent Attendez, freinons un peu, est-ce que vous êtes vraiment sûr de, de ce que vous pensez, mais euh, le problème c'est que ça, c'est le fonctionnement idéal. Mais je dis le problème souvent, ce que je vois, c'est que les, les sceptiques, s'ils ne, ne lisent pas la littérature, ben ils ne jouent pas vraiment ce rôle évidemment. Okay. Euh, de d'apporter euh, une critique constructive à ce que font les parapsychologues, hein, donc euh, c'est plutôt ça le, plutôt ça le mmh. problème. Mmh. Moi, euh, juste, juste pour le dire, mais ce que je Parmi les problèmes que je vois en parapsychologie, hein, pour moi, euh, les, les deux plus grands problèmes, c'est qu'évidemment, euh, la communauté parapsychologique, en fait, elle est très petite. Donc, euh, c'est toujours les mêmes gens qu'on entend, enfin, euh, euh, bon, en tout cas dans la Parapsychological Association, et c'est un certain nombre d'auteurs. Ça, ça tourne un peu... Euh, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'investissent dans le domaine. Surtout que si vous êtes un scientifique et que vous investissez dans le domaine, ça va nuire à votre carrière. Donc, et les scientifiques, même qui pourraient être tentés de le faire, risquent de ne pas le faire à cause de ça. Et donc forcément, bah, on retrouve tout le temps les mêmes et alors du coup, euh, ça, ça, ça limite un peu la critique en, en interne. Et alors l'autre gros problème que je vois, enfin euh, pour moi c'est un des plus gros problèmes, le premier que j'ai dit, hein, le, 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 le nombre de gens qui s'investissent dans le domaine. Mais l'autre évidemment, c'est qu'on a tracé des, des lignes de démarcation dans le sable en disant d'un côté il y a la communauté des parapsychologues et de l'autre la communauté des sceptiques. Mmh. Euh, et qu'en en fait la communauté des sceptiques est supposée, qui critiquent les parapsychologues ne... ne en fait on a externalisé euh, d'un point de vue sociologique des sciences la, la critique est externalisée par exemple c'est pas comme les psychologues qui se critiquent entre eux voyez, en psychologie bah, si, je vois, euh, si un chercheur voit un psychologue voit un autre psychologue qui écrit des choses qui lui semblent pas bien bah, un psychologue va le critiquer Mais okay. la critique est interne euh, mais chez les parapsychologues euh, si vous êtes plutôt quelqu'un qui pensait que le parapsi existe, vous êtes dans la communauté des parapsychologues. Si vous êtes quelqu'un qui pensait que le parapsi n'existe pas, vous êtes dans la critique, des... vous du côté des sceptiques. Et donc, on crée des sortes de lignes de démarcation. Et en fait, mmh. ça, à, à mes yeux, ça gêne plus ce processus d'échange de, de, euh, constructif et de dialogue. Oui. Hein. Mmh. Et puis bon, de toute façon, ultimement, encore une fois. Le... Du côté des sceptiques, le problème, selon moi, enfin bon, ça, ça c'est un problème pour moi, mais parce que c'est un problème, ça, c'est une autre question. C'est que la communauté sceptique, avec le temps, euh, s'éloigne de plus en plus du paranormal. Euh, L'intérêt pour le paranormal dans la communauté sceptique est assez réduit. On le voit euh, quand on fait des posts sur Internet. Euh, si, si on poste sur, sur des sujets comme euh, l'écologie, les OGM, euh, le féminisme euh, ou certaines opinions politiques, on aura euh, des tonnes de likes et de commentaires. Si on poste quelque chose sur le phénomène ovni ou comme ça, on, on aura euh, Trois personnes qui vont réagir, enfin, c'est assez flagrant en, en, en termes de, de nombre de vues aussi pour mes épisodes de balado, etc. Donc il y a une sorte de désintérêt de la communauté sceptique, mais donc forcément, la communauté sceptique qui, qui finalement au départ avait été créée pour euh, dans le but de critiquer euh, au meilleur niveau euh, les parapsychologues, bah, elle joue pas ce rôle parce qu'elle s'intéresse à d'autres choses maintenant, mm -hmm. elle joue plus ce rôle, elle ne joue plus ce rôle. Alors il y avait une question d'experts. J'ai du mal à comprendre moi-même, j'avoue. Moi, euh... alors, les notions d'élusivité ou d'effet de déclin font-elles consensus chez les chercheurs Ah ouais, d'accord. Euh, donc, euh, l'élusivité. Euh... Donc, le. Commençons par le déclin. Le déclin, c'est que. Euh, Quelqu'un pourrait avoir un, un effet euh, statistiquement significatif à une tâche de télépathie ou de prémonition, par exemple avec des cartes Zener, et puis qu'à ouais, un certain temps, euh, sa capacité psy, euh, elle, elle irait en diminuant. Quoi. Alors évidemment, les, les, les sceptiques ils interprètent ça comme un retour vers la moyenne. Et donc, les parapsychologues, eux, ils y voient plutôt euh, un déclin ou euh, on peut même avoir un, du psy négatif et des choses comme ça. Euh, est ce que ça euh, et euh, l'illusivité, ça c'est enfin euh, euh, la, la façon dont je comprends ça euh, c'est que euh, le enfin euh, ouais, je, je sais pas exactement à quoi faire référence enfin je, je vais dire à quoi moi ça me fait penser mais euh, donc évidemment du côté ovni c'est le fait que les vaisseaux spatiaux extraterrestres euh, se montrent quand ils veulent bien se montrer ils sont détectés par les radars quand ils veulent bien être détectés etc donc ils sont illusifs comme ça les extraterrestres auraient la capacité de se cacher de manière complètement euh, surnaturelle. Hein, euh, on... Donc, ils seraient élusifs. Hein. Et en parapsychologie, euh, ça serait, euh, que le... ce que ça, ça, à quoi me fait, ça me fait penser, c'est la théorie qui est assez populaire maintenant de Von Ludacou, qui était un physicien et psychologue allemand. Il a doctorat en physique et en psychologie. Euh, comme quoi, il euh, y aurait des, des, des phases à un phénomène paranormal, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un peu le torgueiste, au départ, il, se il se, y aurait des manifestations assez intenses, authentiquement paranormales, et puis il y aurait une seconde phase ensuite où euh, les, euh, je connais pas bien ces phases, hein, je suis pas un spécialiste de levonudaku mais dans la deuxième phase, euh, les sceptiques. Sept, euh, arriverait et ça ferait disparaître le phénomène paranormal, il ne se manifesterait plus. Et puis dans une troisième phase, il y aurait un retour des phénomènes paranormaux, entre autres avec de la tricherie. Et donc, ce euh, serait une sorte de cycle des phénomènes paranormaux qui ferait qu'en sorte, on... on, euh, on, on... Les sceptiques n'assisteraient jamais euh, par nature euh, au phénomène paranormal authentique quand ils se produisent. Euh, oui, il y a d'autres choses, hein, pas le trickster et tout ça. Enfin, bon, bref, je ne vais, vais pas aller là-dedans, mais je, enfin, lié à ça. Donc, que, que le paranormal, le psy, euh, serait quelque chose qui, qui se dissimulerait à l'étude à scientifique. Euh, oui, je pense. Euh, pour le déclin, ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, ça, me paraît, ça me sonne comme étant des vieilles choses qui étaient discutées avant, surtout avec les cartes et tout ça. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je n'ai pas l'impression que ça sort encore souvent. En tout cas, c'est une impression purement personnelle. J'ai je, je, envie de dire plutôt, je ne sais pas si le déclin est encore populaire chez les parapsychologues. Euh, par contre, l'élusivité, oui, ça, c'est populaire. Ouais. Ce que je viens de décrire, l'idée que le, le psy aurait comme propriété intrinsèque de ne pas se révéler de manière clair et qu'en fait euh, si on était on essaie en fait quand on essaie de l'étudier objectivement il tend à se dérober à nos tentatives d'études ouais ça c'est extrêmement populaire chez les parapsychologues alors dans beaucoup de domaines en fait tu parlais des extraterrestres euh, je, je ne connaissais pas le mot hein, je, vais être... je connaissais la notion mais pas le mot honte à moi euh, quand on dit ils sont parmi nous mais on n'est pas capable de les voir ou en exobiologie, quand on va dire bah, « si, il y a de la vie extraterrestre, mais on n'est pas capable de la déceler parce que c'est une autre forme, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de voir, d'appréhender de, 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 avec nos, nos outils actuels mmh. ». Euh, les gens qui parlent de pouvoir disent bah, « oui, mais on n'est pas capable de percevoir telle onde qui serait émise parce qu'on n'a pas prouvé qu'elle existe ». Moi, je trouve ça facile, personnellement. Euh, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, certes, mais euh, avant de dire que quelque chose est vrai, il faut un minimum. Ce n'est pas juste en disant voilà, tu peux pas dire que j'ai tort, donc j'ai raison. Ah non, c'est un peu court quand même. Qu'est-ce que tu en penses Oui, je peux, enfin, dans les deux cas, hein, la, cette notion de déclin hein, qui avait été amenée pour expliquer certains résultats. Hein, et euh, la, cette notion d'élusivité, j'ai tendance à aussi voir plutôt de la rationalisation. Hein, euh, ration... En fait, on, Mais bon, alors après, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit en épistémologie des sciences. c'est On rajoute des, des hypothèses auxiliaires pour, rajouter, pour conserver l'hypothèse cœur. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose qu'on fait couramment en science. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose euh, qui ferait que la, la, les, les parapsychologues font ça. Donc, c'est une, une pseudo-science. Non, parce qu'on fait ça dans toutes les sciences rajouter des hypothèses auxiliaires pour préserver une hypothèse cœur. Euh, parce qu'évidemment. Euh, bah, oui, le, 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 le psy pourrait être élusif, Effectivement, enfin, je veux dire, même le processus que j'ai décrit de von Ludacou en face, comme ça, ou qui empêcherait finalement les sceptiques d'observer le phénomène paranormal dans sa pleine puissance, en gros. Euh, c'est vrai que ça peut sonner comme une rationalisation, mais effectivement, il se pourrait que ça ne prouve pas que c'est faux comme argument. Mais... Mmh. Donc, euh, euh, moi, moi, moi c'est vrai que ça active, mais... Je suis quand même un zététicien, donc ça active mes buzzers d'alerte, hein, mais euh, mmh. je peux comprendre l'attrait la de ces idées-là, hein, effectivement. Et en science, ce n'est pas quelque chose de si exceptionnel que ça de le faire. Ce n'est pas, pas quelque chose qui suffira à qualifier la parapsychologie de pseudo-science à mes yeux. Ou alors il faudrait qualifier beaucoup de, beaucoup de disciplines scientifiques de pseudo-science. Hein. Là, ce que je pressens, c'est le biais de l'expérimentateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui croit dans quelque chose euh, va biaiser en fait l'expérience mm -hmm. par rapport à quelqu'un qui ne la croit pas, dans le sens de la prouver. Euh, je pense que euh, les parapsychologues honnêtes doivent essayer de d'écarter au maximum les biais, dont le biais d'expérimentateur, je pense. Est-ce que ceux qui disent que, euh, voilà, euh, si tu n'y crois pas bah évidemment, tu le verras pas, parce que moi personnellement je le trouve très facile. Est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose de ce genre-là, biais expérimentateur sous-jacent en fait bah, Les parapsychologues ils adorent expérimentateur. Euh, et d'ailleurs ils ont montré que y a, euh, hein, je crois, qui avait fait, euh, qui avait montré les effets expérimentateurs dans toutes sortes de disciplines et montré que même il y a même de l'effet expérimentateur dans les sciences exactes. Hein. Euh, donc je euh, serais assez d'accord avec toi et une expérience assez. Euh, Assez donc, ils sont, ils, sont, ils sont convaincus que l'effet expérimentateur joue. Hein. Euh, simplement, ils sont convaincus que l'effet expérimentateur joue dans toutes les sciences. Donc, la parapsychologie, finalement, ne fait pas exception. Euh, mais euh, avec une ampleur différente, hein, évidemment. Il y a des disciplines où l'effet expérimentateur joue beaucoup plus que dans d'autres. Hein. Euh, mais bon. Mais, euh, pour, mais ils avaient fait une expérience fascinante où ils avaient demandé de faire une expérience. Je ne sais plus c'était quoi l'expérience, mais une expérience de télépathie, de psy. Hein. Et ils avaient demandé à deux équipes de le faire. Donc, d'un côté. Euh, il y avait Richard Wiseman qui faisait l'expérience et de l'autre il y avait une parapsychologue le nom ne me revient plus et donc ils ont fait le même protocole des deux côtés ils ont fait tourner la même expérience des deux côtés donc d'un côté on avait un sceptique et de l'autre une parapsychologue euh, et euh, je crois que la première fois qu'ils l'ont fait les deux premières fois qu'ils l'ont fait ils ont eu des ré résultats congruents c'est-à-dire que le sceptique obtenait des résultats statistiquement significatifs et que la parapsychologue obtenait des résultats statistiquement significatif. Je crois que la troisième fois qu'ils ont tenté le coup, ils n'ont pas répliqué le résultat ou c'était plus consistant. Mais... Donc euh, oui, ils ont fait des expériences pour, temps, pour tester, euh, tester euh, l'effet expérimentateur en parapsychologie. Euh, en tout cas, celle-là qui est assez célèbre. Euh, évidemment, ils pensent que... Ils... Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça, ça va à fond. Ça montre que la parapsychologue qui y croit, elle, elle fait quelque chose sans s'en rendre compte inconsciemment, même si elle, elle fait le même protocole et les mêmes analyses statistiques, elle, elle doit faire quelque chose pour obtenir des résultats statistiquement significatifs. Ça, c'est évidemment ce que pensent les sceptiques, mais les parapsychologues, ils pensent que euh, les sceptiques, eux, euh, vont trépatouiller les données pour obtenir des résultats significatifs. Il y a ça, ou alors ils pensent aussi qu'évidemment, le psy peut intervenir. Donc si le psy existe et que vous êtes un expérimentateur, ça va influencer votre résultat. Si la psychokinèse existe, vous imaginez bien que si vous avez un ordinateur et que vous pouvez faire influencer... Euh, les générateurs de nombres aléatoires, bah, vous pouvez influencer des résultats euh, d'une expérimentation avec vos attentes. Et donc le psy, okay. en fait, générerait un résultat négatif via le. Donc, le, le sceptique générerait un résultat euh, négatif via la... en utilisant le psy. Et inversement, le parapsychologue boosterait le résultat si vous voulez, celui qui est un tenant de. Enfin, qui pense que le psy existe. Donc voilà, j'ai envie de dire, oui, c'est étudié par les parapsychologues. <laughs> Alors, pour répondre un peu au chat que je suis en train de regarder, euh, c'est normal, hein, ne vous étonnez pas, pour certains qui arrivent tardivement, euh, d'être un petit peu largués. Euh, vous pourrez revoir, et là je le dis pour tout le monde, vous pourrez revoir la vidéo tranquillement euh, après, donc elle sera uploadée. C'est uploadé qu'on dit, Flavien, hein, j'ai bien fait. Mm -hmm. Je oh, progresse, <laughs> je progresse. Euh, et là, ce sera un petit peu plus clair. Et peut-être aller voir aussi les liens, c'est important, les liens que vous allez retrouver en, en annexe. Et le petit plus, vous avez un site d'épistémologie, par exemple, Epistemax, qui va vous donner des définitions intéressantes. Et il y a pas mal de gens aussi dans le chat qui sont très aidants et qui vous donnent des informations euh, de lecture, de choses à aller regarder. C'est euh, difficile, effectivement, de tout expliquer. Là, par exemple, j'aimerais bien illustrer par la fameuse expérience qui a été nommée après la mémoire de l'eau, le biais d'expérimentateur. Jacques mmh. Benveniste avait réalisé une expérience, ma foi, intéressante hein, sur le fond. Euh, et il y a toute une aventure, toute une histoire. On pourrait faire une émission entière là-dessus. Donc, c'est long de tout définir. Je suis désolé pour, pour ceux mmh. qui arrivent tardivement. Euh, Flavien, peut-être pour la dernière question Oui, ouais, si ouais, ouais, bien sûr. Euh, du coup, c'était une question de Vincent qui demandait en fait euh, s'il existait des exemples concrets euh, montrant des phénomènes de télépathie ou de, pré de prémonition sur la base de protocoles qui ont déjà été répliqués. Donc, des résultats... Mais... Ouais, je pas des résultats statistiquement significatifs de télépathie sur des protocoles qui ont déjà été répliqués bah, Le Gansfeld, c'est euh... ça je pas de... enfin, Il parlait d'un ouais. exemple l concret. C'est le... me... l'aspect <laughs> concret qui me. <laughs> Qui me perturbe. Je ne sais pas trop Alors, ce qu'il veut dire peut par. Peut-être en fait. dans le sens. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Vincent veut dire. Je veux dire ce que moi. Euh, ça, ça, ce à quoi ça me fait penser. Euh, souvent, quand je lis des gens qui disent ah si si la parapsychologie est prouvée, les phénomènes, etc. Je regarde et en tant que scientifique euh, de formation, je vois plus une sorte de bruit euh, statistique qu'une mmh. vérité bruit statistique qui va être récupéré plusieurs fois dans certaines expériences. Parfois ça apparaît pas, mais on va publier où ça marche, où il y a le bon bruit, et mmh. euh, ce bruit n'est pas vraiment écarté ou pas démontré que... Voilà. Euh, là aussi, c'est un biais d'expérimentateur, qu'on a on aime tellement euh, notre résultat. Qu'on le valide sans vraiment l'attaquer suffisamment. Est-ce que c'est une des faiblesses de la parapsychologie ou est-ce qu'au contraire, euh, ces petites anomalies prouvent qu'il y a quelque chose, pas forcément un pouvoir euh, au sens où certains le prétendent, ça c'est important et tu l'as dit plusieurs fois, euh, mais quelque chose qui serait un phénomène, simplement, qui serait explicable. Euh, ah, Vincent ex euh, précise, ouais. concret égale expérience précise, voilà. Euh, donc il voudrait qu'on. Que tu peut-être que tu expliques une expérience. Peut-être que c'est ça. Ouais, je, je, je comprends, comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, en, fait, ouais, en fait, le problème, vous voyez, c'est que en fait, là, on est en train de, 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 de débattre c'est quoi les meilleures méthodologies. Mais, si vous vous souvenez, euh, dans, durant euh, la, la première période, on, on étudiait les médiums. Hein, donc, qu'est-ce qu'on faisait avec les médiums on... Il y avait un médium qui, par exemple, prétendait être capable de faire des apports. Hein, donc… Euh, 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 matérialiser des objets sur la table, etc. avoir, des ectob... avoir un ectoplasme qui sort, etc. Euh, et donc ça, c'est ce que j'imagine qu'on pourrait dire un exemple concret. Il fait quelque chose qui n'est pas du, lors du résultat statistique quelque chose qu'on peut euh, par exemple il y a les fameux moulages de mains qui sont à l'imité je pense euh, d'un médium hein, euh, qui l'a généré euh, je, je sais pas exact, ouais, je ne me souviens plus exactement comment les moulages sont apparus mais euh, euh, il, avait, il avait fait apparaître une main fantomatique et puis un moulage qui a été fait ou ouais, un truc comme ça mais donc euh, oui ça a été euh, ça a été fait euh, c'est ce qui a été fait au départ euh, par la métapsychique au XIXe siècle et ce qu'il y a c'est que et encore maintenant là euh, par exemple dans un groupe actuellement euh, avec un médium allemand, etc. Mais euh, évidemment, ils ont les métapsychiques ont trouvé beaucoup de fraudes aussi, hein, euh, Harry Houdini, etc. Mais euh, la question, c'est est-ce qu'ils ont trouvé des cas euh, qui n'arrivaient pas à expliquer Oui, euh, parmi les médiums, il y a eu des cas qui n'ont pas réussi à expliquer, euh, qui sont qui sont assez célèbres. Mais euh, mmh. mais euh, donc tous les il y, y a des médiums où les scientifiques se sont retrouvés un peu euh, voilà. Étonné, enfin voilà on sait pas comment on sait pas expliquer on lui a attaché les mains euh, je sais pas je sais pas quel protocole elle était toute nue euh, donc elle avait pris un sur elle euh, et elle arrive encore à matérialiser des objets donc euh, euh, voilà il y a eu tous des trucs comme ça mais euh, l'astuce c'est que ça n'a jamais ce genre de truc n'a jamais convaincu la communauté sceptique de l'époque ou les communautés scientifiques de l'époque en fait euh, quand même, même si, si si je vous sors un de ces trucs là maintenant et que je vous donne ça vous allez me dire bah pff, mais non, mais certainement que leurs contrôles n'étaient pas super suffisants, ils se sont fait manipuler. Donc, on va on acheter va le doute sur, la, la, sur la, la manière dont les contrôles ont été mis en place. Et du coup, c'est pour ça que RIN est passé vers le laboratoire avec des expériences euh, plus mécaniques, comme ça, avec des lancers de dés ou des cartes, et qui impliquent des analyses statistiques. Donc, ce qui est marrant, c'est que là, on est en train de dire mais oui, mais c'est que des résultats statistiques. Donc,. Euh, ouais. Euh, ça pose problème parce que bon les stats ça ment quoi. de toute façon euh, c'est fait pour mentir les stats voilà, c'est une, une opinion négative euh, générale sur les stats quoi. ce que je peux comprendre hein. j'entends je, 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 l'argument, hein. c'est un argument qui me trotte dans la tête aussi de temps en temps mais ce qui est assez marrant c'est que ouais, bah alors, euh, quand on revient aux, aux vieux exemples là les sceptiques ils étaient ah ouais mais bon ça, 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 ne, ça ne remporte ça ne, ça ne prouve rien non plus non. Maintenant, il y, a, il y a eu un nouveau protocole là qui a, qui a, qui a été imaginé par David Jamet là euh, en France, mais ils n'ont pas encore, ils ont pas fait le test à ma connaissance. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Ils ont juste publié le protocole. Donc là, c'est une, une idée de faire une expérience avec euh, des psychokinèses qui font tourner des petites éoliennes comme ça sur des sur des sur des barres. Alors évidemment, euh, l'explication sceptique classique, c'est qu'en fait, ils soufflent hein, sur les éoliennes consciemment ou inconsciemment. Euh, et alors, euh, ou alors, il y a des autres phénomènes physiques qui peuvent. Euh, mais... Je ne suis pas un spécialiste électrostatique et des choses comme ça. Je, voilà, je, je suis au-dehors de mon domaine de compétences, hein, mais qui peuvent influencer euh, enfin, la, la, la rotation de l'éolienne. Et donc, euh, ils ont essayé d'imaginer un dispositif en laboratoire de physique avec une sorte de cloche qui isolerait euh, l'éolienne de tout euh, stimulus physique extérieur. Euh, et donc, qui pourrait exclure au-delà euh, de tout doute raisonnable le fait que ce n'est pas la psychokinèse qui a fait bouger l'objet. Donc là, ils ont publié leur protocole euh, il y a deux, trois ans, je ne sais plus quand, mais euh, ils n'ont, à ma connaissance, pas encore fait l'expérience. Maintenant, euh, moi je prédis que s'ils font l'expérience et qu'ils obtiennent des résultats positifs avec ça, euh, les sceptiques euh, diront, euh, ouais, monsieur il y, y a dû avoir une erreur quelque part et qu'ils n'ont pas, pas bien fait l'expérience, ou euh, voilà, quoi, ils rejetteront encore ce résultat, hein, pas... enfin, ça ne posera pas de problème. Hein, ça fait... Bah, encore une fois, parce que euh, encore une fois, une étude seule ne prouvera jamais euh, l'existence du psy, selon moi. Hein, mm -hmm. ça, ça peut être que cumulatif. Hein. Mm -hmm. on ne serez jamais convaincu de l'existence du psy, euh, même moi, je ne serais jamais convaincu de l'existence du psy par une seule expérience. Parce qu'évidemment, euh, par exemple, si l'équipe de David Jamais euh, publie ce résultat, euh, même si ça a l'air béton sur le papier, euh, je pourrais toujours imaginer « oui, mais ils ont mis ça sur le papier, mais dans le fond, c'est pas vraiment ce qui s'est produit ». Alors, j'ai une question personnelle. Euh, j'ai l'impression que au fur et à mesure que le, la recherche euh, en parapsychologie, mais aussi en science d'une manière générale, avance, mmh. les, les phénomènes, euh, enfin, quand, je sais pas comment le tourner, mais euh, les phénomènes prétendus sont de plus en plus modestes. On passe de la macrokinèse à la microkinèse. Bientôt, on va passer à la nanokinèse. C'est une opinion personnelle. Je suis un peu méchant. J'ai envie de dire elle est où la fin par exemple, le monstre du Loch Ness existe-t-il Je fais le méchant gététicien, j'ai oublié de retourner ma casquette. Euh, on peut le chercher dix mille ans, il y aura toujours des arguments ad hoc, il y aura toujours des gens pour dire, ouais, mais vous n'avez peut-être pas cherché comme ci ou comme ça. ou voilà. On va on retomber sur le dragon dans le garage, la taillère cosmique et des expériences de pensée de ce genre-là qui sont très intéressantes à, à analyser. Euh, donc j'ai envie de dire, à partir de quand un parapsychologue conclut qu'il n'y a rien ça c'est -ce argu... ouais. ça c'est un argument étonnamment qui qui... Qui, me... qui ne parle pas du tout parce qu'en fait est-ce qu'il est euh, qu écarte que que la... finalement complètement ouais. quelque chose tu parlais oui, de la macrokinèse tout à l'heure ça c'est des questions d d de... non la macrokinèse oui, hein, hein, la... ah. macro n'a pas été écartée d'épistémologie mais la macrokinèse n'a pas été écartée il y a encore des parapsychologues qui considèrent que la parapsychologie kinèse fonci... la, la microkinèse fonctionne hein. Euh, J'ai même mmh. dit, il euh, y, y a des gens qui défendent encore Uri Geller dans la communauté des parapsychologues. Hein, mais... Ah oui, la microkinèse euh... Mais la macrokinèse oui, oui. euh, me oui. semble-t-il, la parapsychologie a tranché sur... Il me semble. En faveur de la microkinèse Oui, ah oui, ah, oui, oui alors, je reformule. Oui, oui, que la macrokinèse n'existe pas. Le gars qui tord des cuillères avec son esprit, ça ne marche pas. Non, mais là, ça, pas, la clair. parapsychologie. La parapsychologie n'a pas... Enfin, trancher. il faudrait encore avoir une, une, un sondage qui montre quel est la, le consensus parmi les parapsychologues, euh, quel est le consensus émergent. Euh. Moi, c'est ce que je pense, mais je, je veux dire, je connais plein de parapsychologues qui pensent que la macrokinèse existe. On hein. va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Euh, la macro Oui, mais bon, après, comment est-ce que... Les, en fait, après, c'est de l'épistémologie, euh, histoire des sciences, comment est-ce que les hypothèses sont abandonnées dans l'histoire des sciences, etc., mais... J'ai l'impression que ce n'est pas un argument qui me parle beaucoup, moi, parce que, dans le fond, euh, moi, moi, je suis pour le débat d'idées. Enfin, euh, je veux dire, en fait, ça fait partie de l'aventure scientifique, ça, qu'on débatte et qu'on discute, etc. Alors, c'est vrai qu'il y, y, a, y, a, y a des idées qui peuvent disparaître dans l'oubliette de, de, de l'histoire des sciences. Il y a des idées de l'histoire des sciences qui, peut, qui étaient dans les oubliettes et qui remontent à la surface à un moment donné. Euh, et c'est totalement... Enfin, euh, ça, c'est comment les débats évoluent à travers le temps euh, mais en fait, moi, je, la raison pour laquelle cet argument ne parle pas, hein, c'est oh oui, mais les parapsychologues ne concluent pas euh, définitivement. Quand est-ce qu'on conclut À un moment, il faut taper, il faut, faut, faut prendre un marteau, il faut taper et dire non, c'est fini, quoi, on arrête. Quoi. Euh, enfin, euh, c'est pas comme ça que la science fonctionne, en fait. Hein. La Alors, je n'ai pas dit ça... d'arrêter, hein. ouais, ouais, pas dit ouais. d'arrêter de chercher nécessairement, mais à partir de quand on pose un diagnostic oui, bon, à chaque instant x dans, dans la communauté scientifique, il y a un consensus sur une question oui. donnée. Donc ah, ah, euh... oui. Mais justement, si je me retrouve devant quelqu'un qui me dit le monstre du Loch Ness existe, est-ce que j'ai le droit de lui dire non Ou est-ce que je lui dis, je suis positif, <laughs> j'ai dit, bah peut-être. Ouais. C'est là que je me demande qu'est-ce qui est fécond en matière de pensée. Donc là, je vais passer plutôt sur le domaine ouais, philosophique. Ouais, Est-ce que le réductionnisme est plus fécond que le positivisme en matière de science J'ai envie de répondre oui, a priori. Que, ouais, ouais, en que... fait, c'est des débats qu'on a... Qu a pour l'instant beaucoup en sociologie, avec les sociologues des sciences, etc., qui, qui challenge ouais. un peu la communauté synthétique. La une question ouverte, que... hein, je n'ai pas de réponse absolue. <laughs> oui, ouais. ouais, ouais, mais je veux dire, le pro... enfin... Je veux dire, il y, y a ce qu'on dit aux gens. Dans l'état actuel des connaissances, euh, oui, le, moi je dirais euh, non, il n'y a pas de bonne raison de penser que le monstre du Loch Ness existe, mais dans le fond, la, la réalité de la science et de, de la pensée critique, on, on va arriver pratiquement plus euh, dans une position de scepticisme philosophique à ce moment-là où on, on, on est dans une véritable posture de doute et d'incertitude. Et c'est vrai que moi, par rapport à la parapsychologie, je, je, je suis dans cette posture de doute et en fait, je dis toujours, j'entretiens une multitude, hein. je j'ai pas d'avis tranché sur la question et j'aime bien lire tout ce qui passe. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est... C'est peut-être euh, comment dire euh, ce qui est, qu est, qu est supposé être le scepticisme. On dit souvent le scepticisme, c'est l'art du doute, sauf qu'il y a beaucoup de sceptiques qui ne doutent de rien. Mais, mais euh, être capable de suspendre, la, 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 voilà, essayer de réellement suspendre son jugement. Mais, mmh. mais euh, même si euh, souvent euh, la sceptique euh, qu'on pratique dans la vie de tous les jours, c'est lutter contre les, les pseudosciences, etc. Mais donc il y a, y a dans ma tête ce que moi je pense. Euh, comment, comment, j voilà, l'idée qu'il faut suspendre son jument, qu'il faut, euh, qu faut euh, ne pas. Euh... Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, dirait Socrate. Hein. Et euh, le fait qu'après, il faut communiquer vers le grand public. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le challenge. Qu'est-ce qu'on peut dire au grand public Mais c'est vrai que n'ai pas de réponse facile à cette question-là. Hein. Moi, je... moi, j'ai jamais... jamais, été un sceptique qui m'intéressait. Enfin, pour moi, là, avant, j'étais même pas au courant que la sceptique c'était supposé être de la vulgarisation scientifique. Euh, et c'est quelque chose qui m'a jamais. Euh... Qui m'a jamais vraiment parlé. Hein. Même mon podcast, je l'ai jamais conçu comme un podcast de vulgarisation. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, c'est de mieux penser moi et, euh, et d'avoir de, de, une opinion la plus construite possible sur les sujets qui m'intéressent, comme par exemple le paranormal. Donc euh, j ai, j ai, après, euh, voilà. J donc du coup, j'ai envie de dire, je, je je Ne sais pas ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on qu qu doit envoyer comme message vers le grand public À quel à, dans quelle mesure est-ce qu'on doit mentir au grand public sur l'état de la science C'est toujours ça ou sur, sur le fait que les scientifiques euh, de ah oui, on m'envoie un message pour me dire que je dois regarder la caméra. Oui, en fait, moi je vois pas la caméra, c'est pour ça que je me regarde pas tellement. Euh, je c'est le seul défaut avec le setup qu'ils m'ont mis en place. Mais euh... donc euh, voilà, je, je, je fais semblant de me regarder, mais je ne me vois pas. Euh... <laughs> Euh, voilà, donc, euh, ouais, qu'on qu doit, dans quelle mesure on doit simplifier les informations qu'on donne aux gens, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on doit expliquer la complexité de la recherche scientifique aux gens euh, ouais. euh, Et c'est quelque chose sur lequel on nous challenge du côté des sociologues des sciences, mm -hmm. qui justement trouvent qu'on simplifie trop la, la, la pensée critique ou etc. Mm -hmm. euh, qu'on qu transmet aux gens alors que les choses sont en réalité beaucoup plus complexes, quel que soit le sujet. Ouais. C'est vrai, après, dans une posture sceptique, moi j'avais l'impression que justement, ce qu'il y avait derrière, dans le fait ou pas de, dire, euh, enfin, de faire de la vulgarisation simple ou complexe, c'était justement, on va dire, la, la dangerosité en fait. Finalement, si on a des postures euh, entre guillemets pro-vaccin, euh, anti-homéopathie, etc., c'est toujours par rapport à une dangerosité potentielle en fait de euh, continuer à croire euh, au fait d'être anti-vaccin, au fait d'être pour l'homéopathie, etc. Pour rapport au phénomène euh, psy et parapsy, finalement, pour moi, la, cette, cette question-là, elle est beaucoup plus faible. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de dangerosité liée aux pratiques de, de la parapsychologie. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, j'avais pas l'impression. Et que du coup, ben, la question de à quel moment on arrête euh, l'investigation, ben, comme tu dis, en fait, elle est, elle est beaucoup plus floue et complexe parce que on a intérêt à continuer à investiguer, vu que c'est des domaines en fait qui, qui touchent à la science, comme tu le dis. Euh, on n'est pas encore sûr que l'explication n'est elle, elle pas entièrement que naturelle en fait, donc on devrait continuer à aller là-dedans. Oui, c'est ça. Moi, je pense aussi ça. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu. Euh, souvent, souvent, euh, d'ailleurs, on, on nous tcha... <laughs> sur Internet, j'aime bien, il y a toujours des gens qui sont, ils sont passionnés par un sujet et ils vous disent mais pourquoi vous intéresser au paranormal C'est un sujet qui n'y a pas, pas d'enjeu derrière. Euh, il faut s'intéresser à la politique, euh, il faut s'intéresser. Euh, et c'est toujours leur dada à eux qu'ils évoquent, évidemment. Euh, <laughs> moi, je n'ai jamais prétendu que les sujets auxquels je m'intéressais, il y avait un enjeu derrière euh, extrêmement important. Et le phénomène ovni, euh, je ne pense pas qu'il y a un grand enjeu derrière, puisque je ne pense pas qu'il y a des vaisseaux spatiaux extraterrestres derrière. C'est juste intéressant. Mais la science, ce n'est pas, for pas forcément pour étudier des choses qui présente beaucoup d'enjeux et je ne pense pas que la zététique, notre but, enfin euh, voilà, ça dépend c'est quoi la zététique, de quelle zététique on parle. Alors, moi, c'est vrai que je fais un peu la promotion d'une zététique où on, où, qui étudie le paranormal, enfin qui s'intéresse au paranormal. Euh, bah, Ce n'est pas parce que je prétends qu'il y a un enjeu derrière de, de santé publique ou de, ou de, ouais, de, de protection du consommateur. C'est vrai qu'il zétét... y, zét... y a une partie de la zét... du mouvement zététique, j'aime souvent le dire, qui en fait, c'est de la protection du consommateur. Oui, vrai, du côté du... Du, par, du, par, du côté du paranormal, ça peut jouer avec les voyants, hein, où on dit, euh, voilà, on, on lutte contre les voyants parce que euh, les voyants proposent un service dont euh, l'efficacité n'a pas été scientifiquement prouvée. Euh, moi, je n'ai pas tellement de, ça, de problème avec ça. De toute façon, euh, même, même si les recherches des parapsychologues sont vraies, euh, je pense que la grande majorité des, des voyants utilisent la lecture à froid. Donc, euh, euh, c'est peut-être euh, pas mal de, de vouloir en tout cas informer le, le, le grand public que euh, la grande majorité des voyants, euh, de toute façon, c'est juste des. Souvent des gens de bonne foi ou, ou parfois pas, euh, mais qui utilisent des techniques de mentaliste. Ça ne me, dé, me dérange pas tellement qu'on donne ça comme message hein, pour les informer que finalement, bon, c'est comme. Euh, quand ils vont chez un voyant, c'est plus une consultation psychologique ou un placebo. Mm -hmm. C'est un des rares domaines où je verrais une, un enjeu de protection du consommateur. Et c'est vrai que l'industrie de la voyance, c'est quand même une grosse industrie, il ne faut pas la minimiser elle mm -hmm. rapporte beaucoup d'argent. On a une dernière question et je pense qu'on arrêtera après ça. C'était une question de, de Renaud Evrard et, et du coup il demandait si la parapsychologie avait sa place à l'université. Et je la prolonge, Jean-Michel. Je profite pour faire un filet. Euh, on avait évoqué avant l'émission la, euh, je sais pas comment le dire, mais la faible présence de la parapsychologie en France et en Belgique d'ailleurs mmh. par rapport aux pays anglo-saxons, aussi bien mmh. dans les formations que dans la, euh, le, le, le Dire l'opinion publique ou le mmh. voilà, euh, donc je pense que les, les deux vont un petit peu ensemble. Ouais. Mmh. Oui, bref, bah, est-ce que la, la, la parapsychologie a sa place à l'université? Euh, en tout cas, dans le monde anglo-saxon, il y a comme j'ai dit en tout cas euh, plusieurs laboratoires. Il y en a aux États-Unis, il y en a à, à l'université d'Edimbourg, euh, il y en a quelques-uns, donc il y en a surtout qui sont privés. Hein, le laboratoire de Rhin. Euh, mmh. Euh, et celui euh, d'Edimbourg, évidemment, on, il a été créé sur base d'un don qu'a reçu euh, l'université, donc ça, ça peut être un argument sceptique contre ce laboratoire. Hein, donc euh, mmh. la chaire Kossler, donc Kossler a fait un don en disant euh, je donne beaucoup d'argent, mais je veux qu'il soit utilisé à la création d'une chaire de parapsychologie. Ils ont accepté, ils ont créé la chaire de parapsychologie. Donc euh, euh, donc c'est quand même pas euh, surreprésenté dans le monde anglo-saxon non plus. Hein. Mmh. Euh, maintenant, euh, moi, euh, ouais, je pense que, moi, moi, je pense que ce qui, ce qui compte pour moi, c'est la bonne recherche. Donc, euh, marginaliser les parapsychologues euh, n'est pas à mes yeux une bonne stratégie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait euh, beaucoup les éthiques, les éthiciens et les sceptiques. Hein, je veux dire, euh, si on veut, enfin, je veux dire, les, je pense que si on annonçait la création d'une euh, D'un cours de parapsychologie dans une université française, il y aurait certainement une réaction très négative de la communauté sceptique euh, qui ne cherche pas à faire fermer le truc ou à empêcher sa création. Ce serait, on dirait que ça serait comme un cours d'homéopathie, euh, une chaire d'homéopathie ou des choses similaires. Euh, et d'ailleurs, oui, enfin, bon, c'était assez compliqué, mais enfin, il y a eu un peu quelque chose de ce style-là avec Yves Lignon et Henri Brock à la grande époque, hein, où euh, Yves Lignon. Euh, avait Mis en tout cas une plaque sur sa porte, j'ai pas les détails exactement de ce qu'il avait fait, mais c'est vrai que Brock était vraiment scandalisé à militer pour que Yves Lignon ne pu, puisse pas dire que son travail parapsychologique était connecté à son activité académique. Euh... Euh, oui, ben enfin, bon, je, je pense que finalement, si ah, c'est vrai que c'est compliqué, je suis ambivalent en fait personnellement. Euh, J'aurais envie, envie de répondre oui en disant, en fait, si on normalise la, le, le domaine et que… En tout cas, ouais, ma solution à moi, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu devrait créer Une solution qui devrait mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on devrait créer des, des cours de psychologie anomalistique. Ça, c'est sûr. En, en, en Angleterre, il y a même eu question, donc ils ont des diplômes, des A+, hein, qui sont des diplômes qu'on qu passe en réto, enfin au lycée pour le, en langage de français de France. Euh, donc euh, au lycée euh, c'est un diplôme euh, et alors ils, ils ont même voulu qu'on crée une option euh, euh, psychologie anomalistique euh, au lycée pour qu'en fait et moi je trouve ça génial que des, des rhétoriciens des lycéens puissent euh, se former à la psychologie anomalistique et lire euh, donc qu'ils qu aient un prof qui leur parle des recherches scientifiques qui sont faites sur le paranormal okay. euh, et donc euh, oui en tout cas des des cours de psychologie anomalistique alors là à 200% pour et des cours de parapsychologie enfin des des cours de parapsychologie, euh, je, je, je dirais oui avec, avec certaines réserves. Enfin bon, ça pourrait, ça pourrait dégénérer, mais euh, euh, voilà, c'est toujours. Euh... Après, euh, oui, avoir des cours, avoir des manuels, avoir des manuels. En, en gros, on encouragerait la bonne science. Et ça, ça en fait, ça. Comment dire Ça éliminerait un des problèmes que j'ai j'évoquais tout à l'heure, qui est un de mes gros problèmes avec la parapsychologie à l'heure actuelle, c'est que la communauté parapsychologique est très petite. Donc, s'il y avait plus de monde, plus de gens qui puissent faire de la critique en interne à la parapsychologie et dire, par exemple, toi, tu, ce que tu as fait, ce n'était pas glop et tout ça, tu vois, ça, serait, ça pourrait être une bonne solution. Donc, oui, pourquoi pas Moi je En tout cas, s'il y avait un, demain une fac de... Enfin, en tout cas, un, un cours ou une fac de parapsychologie qui s'ouvrait, qu que les éthéticiens faisaient une... une, une, une une pétition pour demander à la, au recteur de cette université de ne pas ouvrir cette fac, je ne signerai pas la pétition. Mmh. C'est vrai que c'est intéressant, euh, je pensais à ça. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui écoutent quelle serait la différence entre la psychologie anomali ano anomalistique pardon, et la parapsychologie Je pense que ce n'est pas très clair pour la plupart des gens. Oui, Il y a une des vraiment... deux qui, qui, ouais, je... qui a ses lettres de noblesse noblesse vraiment... et ouais. pas l'autre. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, mais donc, la psychologie anomalistique, elle, elle fonctionne uniquement avec les outils de la psychologie, tandis que la parapsychologie euh, a fait venir des tas de domaines scientifiques différents. Deuxièmement, la psychologie anom anomalistique tend à être réductionniste plutôt que hein. donc On tend à essayer d'expliquer les phénomènes paranormaux sans invoquer le psy. Euh, enfin, C'est les deux, c les deux euh, différences principales. Quoi. D'accord, donc la et posture donc de départ en fait, est, est non-croyante, entre guillemets, euh, des phénomènes voilà. parapsychologiques en psychologie anomalistique, et cherche à, les, à expliquer de manière rationnelle ces phénomènes. Ça que tu, oui, donc es... la psychologie ouais. anomalistique est totalement compatible avec le zététisme euh, enfin, la zététique classique qui dit que le paranormal n'existe pas, quoi, ça c'est sûr. Hein. Non, euh, en pratique, cette, cette euh, distinction entre euh, la, la psychologie anomalistique et, rédu et réduction ré réductionniste et la parapsychologie irréductionniste est un peu euh, artificielle. Je la crée un peu artificiellement. Les parapsychologues, évidemment, ils veulent pas qu'on fasse cette distinction. Hein. Ils veulent que la psychologie anomalistique reconnaisse que peut-être que le psy existe, etc. Donc, ils militent pour ça. Hein. Et en plus, si vous prenez, un, par exemple, moi j'ai lu le manuel de psychologie anomalistique qui a été publié euh, pour les, les lycéens britanniques et que vous lisez les noms, ah, il y a Chris French, puisqu'il a le, le laboratoire de psychologie anomalistique euh, en Angleterre, et puis euh, peut-être un article de... Enfin, je, non, je crois, je, je, crois, je crois même pas qu'il y ait un truc de Richard Wiseman dedans, et tous les autres qui écrivent dedans, bah, c'est des parapsychologues, puisqu'en en fait, on retrouve les mêmes noms, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent dans les deux domaines. Donc. Simplement... Euh, les psychologues qu'on retrouve en psychologie anomalistique, c'est psy des psychologues. C'est ça la différence. Donc la psychologie anomalistique, c'est des psychologues. Et, tandis que la parapsychologie, on trouve des physiciens, etc. D'accord. Mmh. Alors, il y a plus de questions dans le chat depuis un moment. Enfin, pas très longtemps. Quand même. Donc, on va peut-être bientôt conclure. Euh, peut-être que je vais donner la parole à Flavien déjà pour euh, peut-être euh, une question à Jean-Michel, une remarque, euh, quelque chose. Euh, alors on en aurait parlé, mais, mais c'est vrai que ouais, si tu pouvais à, à, en mettre du coup en, en lien euh, les, les manuels de référence du coup pour pour s'intéresser, à du coup la, la parapsychologie et la psychologie anomalistique, euh, je trouverais ça intéressant personnellement. Et euh, du coup, comme question, hum, enfin, quels ont été les apports finalement en résumé, parce que tu parlais justement que la, la parapsychologie était un peu le euh, un, utilisé comme, euh, comme garde-fou pour la, la recherche en, en psychologie, bah, quels ont été les apports en fait, finalement de, de la parapsychologie à, à la science, on va dire, mainstream mmh. Oui, il y a eu plusieurs apports, entre autres euh, la. la... Historiquement, à ma connaissance, la première méta-analyse qui a été réalisée, elle a été réalisée dans le domaine de la parapsychologie. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être même Rayman, l'alceptique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui l'a faite pour pouvoir analyser les résultats d'un ensemble d'expériences de télépathie. Donc, c'est eux qui ont initié les méta-analyses, hein, qui sont évidemment maintenant devenues quelque chose de totalement courant en science. Euh, et il y a aussi, évidemment, l'idée de, quand on a parlé tout à l'heure, de... de, de, de euh, d'enregistrer de, à l'avance euh, la réalisation des expériences pour éviter l'effet tiroir. Euh, mmh. euh, ça, c'est quelque chose où les, les parapsychologues sont aussi en avance. Hein. Donc euh, oui, euh, de ce côté-là, d'un point de vue méthodologique, étonnamment, ou pas, hein, la parapsychologie a souvent apporté des, des choses. Hein, euh, et souvent, on avance sur ce que font les psychologues. Euh, parce que les psychologues sont beaucoup moins critiqués, évidemment, sur leurs uh -huh. recherches, même uh -huh. si ça, évidemment, ça vient. Mais un, un parapsychologue qui publie une étude qui obtient des résultats négatifs, il sait que tout le monde va lui tomber dessus pour dire que son, étudiant, son étude ne tient pas la route, Donc, il va tout faire pour que le protocole soit vraiment rigoureux. Euh, au niveau des phénomènes aussi, ça peut être intéressant de le mentionner. Mais euh, moi, j'aime bien toujours mentionner l'hypnose. Hein. L'hypnose, au départ, c'était un phénomène complètement considéré comme paranormal. Et à l'heure actuelle, bon, dans le grand public, il y a toujours des des Idées un peu farfelues à propos de l'hypnose, mais à l'heure actuelle, l'hypnose c'est plus étudié, même pas enfin, c'est encore un peu étudié par les parapsychologues, mais c'est quelque chose qu'on fait qu'on étudie même en psychologie. Et mm -hmm. si on va voir des psychologues et qu'on dit l'hypnose, plus personne ne vous dit oh, c'est un phénomène paranormal, etc. C'est quelque chose qui est devenu complètement mainstream. Donc, on voit comment un phénomène paranormal peut passer d'un statut d'anomalie de... à totalement intégré dans la pratique des psychologues, totalement oui. Alors, le mot de la fin sera pour Jean-Michel, c'est important, donc je vais faire le mien avant. Euh, le titre de la conférence du jour, c'était donc euh, Parapsychologie et zététique, euh, des ennemis irréconciliables, point d'interrogation. Alors, ah. j'ai envie de répondre non, avec tout ce que j'ai entendu là pendant deux heures, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout irréconciliable. Par contre, la conciliation est compliquée, et il me semble que ça vient avant tout d'une posture de départ. Euh, pour la faire très simple de croyance ou non-croyance, pour la faire un peu plus compliquée, on va arriver sur des niveaux philosophiques. On parlait du réductionnisme et du positivisme tout à l'heure. Et effectivement, je pense que euh, l'important entre deux personnes qui veulent parler d'un sujet comme ça, comme discuter de l'existence de Dieu, l'existence des extraterrestres, donc des choses compliquées et qui ont une certaine empreinte émotionnelle pour les gens, euh, il me semble qu'il faut d'abord être apaiser. J'ose à peine utiliser le mot bienveillance parce que c'est un terme qui est compliqué à définir et qui varie un peu de l'un à l'autre, mais en gros, ne pas considérer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec soi comme un ennemi. essayer plutôt de construire ensemble, d'additionner euh, nos, nos connaissances, nos capacités, nos, nos finesses euh, pour essayer de d'échanger, tu en parlais tout à l'heure, que c'était important d'échanger sur ces sujets-là, qu'il n'y avait pas de vérité absolue et que toute discussion est plutôt bonne. Et j'arrive à voir, à trouver des discussions entre des gens pas du tout d'accord sur Internet, euh, des discussions très fécondes, euh, très sourcées euh, de part et d'autre. Et je pense que zététiciens ou sceptiques, si vous préférez, comme... Euh, pour les personnes qui croient fermement dans ces phénomènes, euh, la base c'est vraiment d'être apaisé quand on discute avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec soi. Si on n'est pas apaisé, on se bloque très vite, on s'énerve et on n'arrive à rien. La, discu la discussion est totalement non féconde. Donc, conseil pour tout le monde lorsque vous avancez des arguments, que vous soyez pour ou contre, bah, essayez de trouver des arguments. Au-delà de votre simple opinion personnelle, une opinion, c'est une preuve très faible. Je parle d'opinion de n'importe quoi. Je peux vous dire qu'il y a des girafes dans mon jardin en ce moment. Je n'en sais rien en fait, mais j'ai l'opinion que oui, il y a des girafes en ce moment dans mon jardin. Euh, non, ça n'a pas de sens. Donc, essayez de, de respecter la personne qui vous parle, que ce soit un croyant ou non, et euh, sourcez ce que vous dites. Voilà, c'est vraiment mon mot de la fin euh, hygiène mentale, respect de l'individu, et ne confondez surtout pas la personne et sa croyance. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une croyance qui vous est étrangère, voire ennemie, que cette personne en face de vous est un ennemi. C'est juste un point particulier de la personne. Ne faites pas d'amalgame. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Euh, et Jean-Michel, Jean donc, ouais. vas-y. Oui, moi mon mot de fin, c'est un peu de dire euh, la, la zététique, elle est ce qu'on en fait. Hein. C est, c est... Elle est ce que nous, on pratique. Donc, on... Amis ou ennemis de la parapsychologie, enfin ennemis réconciliable, on verra avec le temps. Mais... Je peux imaginer un futur où, où, les, paraps... où les sceptiques finalement euh, admettent que l'étude du paranormal, ce n'est pas du tout leur truc et qu'en fait, ils préfèrent euh, se, se concentrer sur des sujets plus euh, militants et, et euh, faire vraiment ce que, que j'appelle euh, parfois en rigolant la zététique 2.0. Hein. La zététique 1.0 c'est celle que moi je fais où on s'intéresse aux ovnis, à la parapsychologie, etc. La zététique 2.0 c'est celle qui pense que ces sujets-là, euh, ils en valent pas la peine et qu'il vaut mieux aller se, se préoccuper d'autres choses. Et donc dans ce cas-là, bah... c'est un peu vers ça, vers, le... vers ça qu'on va maintenant. Je dirais que la zététique, elle est juste indifférente au paranormal, donc elle est ni l'ennemi ni. En fait, elle laisse les parapsychologues faire ce qu'ils veulent. Euh, une... <laughs> Ils n'interviennent plus dans le débat de manière pertinente, de toute façon. Donc euh, c'est juste, c'est même pas, c'est même pas des ennemis hein, irréconciliables, c'est juste des indifférents, une indifférence. Euh, maintenant évidemment dans le cadre d'une optique euh, zététique 1.0 où on dit maintenant la zététique c'est quand même bien qu'on reste un peu actif au minimum. En tout cas certains irré irréductibles gaulois zététiciens restent actifs sur le sujet du paranormal. Euh, alors oui là je pense que effectivement il y, y a deux façons dont on pourrait voir les choses. On pourrait soit dire euh, on reste un, un ennemi réductible, c'est-à-dire qu'on critique les études, on s'investit dans le domaine de l'extérieur du domaine et on le critique de l'extérieur, mais à ce moment-là en lisant la littérature et en critiquant de manière très précise et détaillée ce qui nous pose problème dans cette littérature. Ou alors l'autre approche, c'est que simplement, et c'est celle que moi j'ai fait ces dernières années à, à un niveau individuel, c'est dire bah, le plus facile finalement, c'est. D'être zététicien et parapsychologue et de m'investir dans la communauté parapsychologique mmh. tout en étant un zététicien et bon, en exprimant les doutes quand j'en ai euh, et en contribuant de cette façon-là. Et à ce moment-là, euh, voilà, euh, je suis juste un zététicien au pays des parapsychologues. Hein. Euh, mais je ne sais pas. je ne sais C'est aussi au niveau individuel à vous de voir ce que vous préférez. Quoi. Mais euh, bon, moi, la, la, la différence, ça m'attriste un peu parce que je pense que le paranormal, c'est un sujet super cool, mmh. important socialement du tout. Hein. Mais, super cool quand même à étudier, euh, mais euh, mais voilà, c'est ce que je dirais en tout cas. Merci Jean-Michel. Et on te remercie beaucoup de d'être venu ce soir et de nous avoir présenté donc la parapsychologie, d'avoir répondu aux questions. Je remercie Flavien aussi euh, d'avoir été là et d'avoir euh, à apporter euh, toutes euh, ces réflexions et ces connaissances et je souhaite à tout le monde bah, une très bonne année 2021 alors on sait tous que c'est une année un petit peu euh, difficile, je parle de santé évidemment et de coronavirus donc euh, je vous dirai à toutes et à tous, portez-vous bien et donc à la prochaine fois pour la troisième émission, voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.